Bonjour à tous, très Rapin Day. Merci, bon retour si vous êtes de retour. Je suis Nyan Adara, je suis l'hôte de la journée. On était avec Nagavodi, on sera avec Nagavodi et Paramartha dans un moment. Mais avant cette session, on va voir une partie du mandala d'Adhisthana, une des différentes parties. Et je suis avec Sangadeva, qui a été ordonné par Sangharakshita en 1983. Et Sangadeva est un homme de grande inspiration et très pratique. Et peut-être tu peux nous dire quel est ton rôle ici. Je suis là depuis 10 ans maintenant, c'est notre 10e anniversaire, je suis très heureuse de célébrer cela aussi. Et quand j'ai commencé ici, j'ai travaillé sur le terrain et petit à petit j'ai commencé à construire le jardin. Et pendant les derniers 4 ans, je me suis focalisée sur cette partie du jardin. Il faut dire que c'était un champ auparavant, donc c'est ça que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on voit là? Donc nous regardons là le tombeau de Gen Sangharakshita. Il volait tous ses restes abondants et toute sa lègue être dans un seul endroit. Donc en nous regardant là où il est enterré, c'est l'endroit de mémorium de Sangharakshita et c'est le jardin. Sur le contexte de ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière de que ce soit Adhisthana? Est-ce que c'est important que c'est d'avoir une place particulière sur la Terre? Oui, tout à fait. Sangharakshita a toujours pensé des choses très profondément, évidemment, et il a décidé il y a longtemps qu'il ne voulait pas être crémé, incinéré. Et quelqu'un va peut-être me corriger, mais ce que j'ai compris de ça, c'est qu'il ne voulait pas des parties de lui, de ses restes terrestres, il ne voulait pas que ça soit réparti dans différents endroits, la même chose pour sa lègue. Et on imagine que la raison qu'il voulait ça, c'est parce qu'il reconnaît l'importance de l'endroit, d'endroit. Et c'est pour ça que tout est là et lui, il est là. Et je t'associe vraiment beaucoup à cet endroit parce que tu es vraiment ancré. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement? Mais c'est intéressant que quand on nous a donné le nom Adhisthana, c'était au début du projet de construction. On méditait dans ce qui est maintenant la bibliothèque. Il y avait une mezzanine et on était là assises pour méditer et gelé. On avait une couette autour de moi. Et j'entendais le nom et j'étais Adhisthana. Je me répétais le nom et j'étais en dhyana. J'étais dans un état de joie et je sentais comme il y avait quelque chose qui me descendait dessus de l'extérieur. Et la drôle de chose, c'est que ça a toujours été Adhisthana. Je crois que notre mouvement est Adhisthana. Alors je reconnaissais le nom comme si c'était quelque chose que nous étions toujours. Un peu comme quand on est ordonné, souvent la personne ordonnée à l'expérience, que, ah oui, c'est ça que j'ai toujours été. Et c'est ça que le mouvement a toujours été, Adhisthana. Et donc, je crois que Bantil a vraiment nommé l'endroit à perfection. Très bien, oui. Qu'est-ce que le mot évoque? Quelles sont les connotations du mot? Qu'est-ce qu'il veut dire, le mot? Ça veut dire bénédiction. La traduction la plus courte, c'est bénédiction. Et c'est le genre d'endroit où je le vois comme une espèce de lien entre le plan terrestre et autre chose, quelque chose, une dimension spirituelle, pour ainsi dire. Et j'ai le sentiment que nous sommes une manifestation terrestre de l'énergie spirituelle. Nous essayons de nous aligner à cette énergie spirituelle. Ça, c'est mon expérience. C'est ce que je ressens vraiment dans mes tripes.
Et ce que nous essayons de faire ici, ce que nous essayons de faire dans le mouvement tout autour du monde, partout dans le monde, c'est essayer de vivre ça, cet Adishtana, cette bénédiction. Et le fait que Bhante nous a donné ce nom, ça nous rappelle de notre travail, notre rôle, c'est être ouvert au transcendantal. Et je trouve que c'était vraiment un nom super choisi. Et le nom est venu de Oui, c'est Zambachitana. vient de Bhante. Il le cachait pendant longtemps et il l'annonçait pendant la convention en Inde. C'est là la première fois que nous avons entendu. C'était ouais, introduit, je me souviens, 2011, 2012, en 2013, 2013, je ouais. sais plus. C'était à ce moment-là. Et quel est ton lien avec les phases d'Adishtana, avec les projets d'Adishtana? Moi, je me focalise sur une partie. La partie la plus importante, c'est l'enseignement, c'est la communication de l'enseignement de Bhante. Et moi, je ne suis pas vraiment impliquée dans ça. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais pour moi, c'est une question de continuer le processus de rendre beau, de rendre l'endroit beau. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et ils ont des larmes aux yeux et c'est pas juste le jardin. Non, c'est pas le jardin, c'est un jardin, c'est tout. Mais il y a d'autres choses qui sortent à travers de ça. Et moi, j'ai envie de aider à soutenir cela et de le développer. Et c'est une question de rendre les jardins plus beaux. Là, on est en train de replanter le jardin là-bas. On va chercher des arbres. C'est une question de, on va refaire la cour et rendre ça beau aussi. Et éventuellement, on veut construire un temple. Mais ça serait dans des années d'ici maintenant. Un nouveau bâtiment pour Oui, celui-ci. un nouveau bâtiment. Oui, carrément. On n'a pas encore la certitude qu'on peut faire ça parce que ça demande de la permission et c'est un peu limité dans cette zone, mais on verra. Mais ça, c'est la vision. Très bien. Merci. Merci d'entendre quelqu'un de si impliqué dans les racines de cet endroit. Oui, tout à Merci. fait, les racines dans le ciel, tout à fait, tout à fait. Maintenant, nous allons entendre parler de Nagaboli et Paramartha. Et ils vont parler de Sangharakshita, c'était tous deux des amis de Sangharakshita, et surtout Paramartha qui était. Et Nagabodhi a rencontré Nagabodhi en 1971, et il était le directeur de Winters Publication qui a publié tant de livres de Bhante, et qui travaillait très, collaborait très proche, de façon très proche avec Sangharakshita. Et il vient de publier un livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Paramartha a rencontré, est d'origine de Nouvelle-Zélande, a rencontré Sangharakshita dans les années 80, et il a été très proche de Sangharakshita dans les dernières années ici à Adishtana. Donc je passe la parole à Nagabodhi et Paramartha, et qui vont nous parler de Sangharakshita. Ok. Merci Nyanadara et Sadhu Sangadeva. Oui, nous sommes ici à Adishtana, dans une petite salle. Et en dehors, il y a autour de 90 personnes qui sont là pour le week-end. Et le week-end est dédié au thème le principe du gourou et de Kalyanamitratta. Il semble comme une bonne opportunité de passer du temps, non seulement penser à Sangharakshita qui a fondé le mouvement et qui était un ami à beaucoup de nous, mais aussi passer du temps avec Paramata, qui, comme Nyanatha je crois que c'est une drôle de façon de le dire, mais je crois que tu étais son ami le plus proche pendant autour de 30 ans, parfois habitant avec lui à Padmaloka ou ici, ou parfois pas dans le même endroit, mais en contact proche avec lui pendant longtemps.
Et dans mon livre, j'ai une petite citation qui commence, c'est une partie de son lecture. Bhante dit, le rôle du gourou n'est pas d'apprendre les disciples quoi que ce soit, mais simplement d'être lui-même au mieux avec le disciple. Est-ce que tu... La personne qui a eu l'occasion de vivre Bhante dans cette manière, c'est peut-être Paramahansa. Peut-être Paramahansa, tu pourrais nous donner une idée de comment votre amitié a commencé et qu'est-ce que c'était de commencer une amitié avec Bhante En fait, Bhante avait mon âge que j'ai maintenant et il était ancien, vieux pour moi. En fait, j'ai rencontré Bhante dans les années 87, quand j'étais en retraite d'ordination en 1988. Et j'avais été en Angleterre depuis plus de 2 ans, là où Bhante vivait, à Padmaloka. À Gugiloka, donc c'est plus fort encore. C'est terrible, quand même. Donc, je le prends. Il a pris l'opportunité de faire un peu de... Donc le bureau de l'ordre était basé à Padmaloka. Moi, je crois que je suis arrivée à un moment où Bhante était, il était en train de faire un bilan de ce qu'il était voulu faire lui-même. Il avait vécu pas mal de stress. Il y avait des problèmes à Croydon. Sa pression artérielle était difficile de contrôler. Et donc, il était en train de réévaluer ce qu'il voulait faire lui-même avec sa vie. Et moi, je lui dis, mais j'aimerais beaucoup étudier. J'aimerais bien avoir plus de temps pour pratiquer. Et je crois qu'il a répondu à ça. Et donc, il a donné un livre, une liste de lecture avec 60 livres. Et il m'a demandé d'écrire un essai sur le stoïsme et le bouddhisme. Il a vu la question d'éthique dans le chemin stoïque. Donc, j'ai fait ça. Je n'ai même pas osé le regarder jusqu'à récemment. Et c'est pas si mal que ça, finalement. C'est à peu près 12 pages. Et je crois qu'il est, il me, comment dire, il m'a, il s'est engagé envers moi et, Non, non. Je lui ai dit à un moment donné, quand on était à Gokyaloka, je crois que ce serait une bonne idée si, comme moi, en tant que jeune membre de l'ordre, je serais apprenti à quelqu'un. Et il m'a dit, mais bon, moi, je te prendrais comme apprenti. Je le prenais pas très au sérieux. Je pensais qu'il blaguait. Mais plus tard, quand on habitait ensemble, il m'a dit, mais je blaguais pas, hein, c'était sérieux. Dans son texte. Et entre les textes qu'il t'avait donné, le son est très bon. Oui, oui. Ben, je peux continuer si tu veux. Hein. Je peux juste continuer si tu veux. Ou tu vas essayer de prendre la release? Oui, je vais arrêter. Ouais. Ok. Moi, je continue si avec toi. Parler à la caméra. Ça résonne. Donc le sutra de diamant, le sutra de Nulang, c'était très important pour lui. Et en fait, il était en train de partager ça et le passé, surtout avec le sutra de l'estrade. On a fait un an d'études sur ça pendant 1989
8,89. Ah, ça, tu vas tout étudier tout seul. À ce temps-là, est-ce que c'était clair que vous étiez devenu ami? Est-ce qu'il y avait cette relation de Kalyana Mitra et d'apprenti? Est-ce que ça devenait apparent, parce que je vivais aussi à Padmaloka à ce moment, et je vous voyais entrant dans la cuisine une fois. Vous étiez en très forte conversation entre vous. Est-ce que tu te rappelles la transition Quand j'ai commencé à travailler dans le bureau de l'ordre, j'ai répondu simplement à un besoin de sa part. Et comme j'ai dit, son réévaluation de ce qu'il faisait, lui, il voulait en fait se retirer un petit peu de l'organisation. Éventuellement, après, on est allé habiter à Sukhavati. Je pense à l'époque, il n'imaginait pas qu'on allait faire ça. Je crois qu'il pensait qu'il y aura plus d'opportunités de créer un contexte à Padmaloka, mais en fait, finalement, ça n'a pas marché là comme ça. Donc, en fait, on a... Il espérait créer une petite communauté d'une sorte, et il invitait les gens à venir. Ah, je ne savais pas ça. Non, je ne savais pas ça. Ah, je comprends, ok. Il y a une demande de la part des interprètes de la ralentir. Non, on nous a demandé de ralentir un peu. Pardon aux Français. Ah, je ne savais pas ça. Moi, j'étais arrivé de Nouvelle-Zélande. Je ne connaissais pas trop le contexte du mouvement à l'époque. Donc, c'était évident que Bhante ne se présentait pas en tant que maître, en tant que gourou. Il préférait rencontrer les gens sur leur propre à leur propre niveau, au même niveau, pour ainsi dire. Et oui, interagir avec les gens en tant qu'individu, il l'a fait avec moi. Et il a dit qu'il trouvait qu'il pouvait être lui-même avec moi, pour je ne sais pas quelle raison. Il sentait pas trop de demandes venant de ma part. Moi, j'étais assez heureux d'être indépendant. J'attendais pas des choses de lui. Donc, j'étais libre à m'engager dans des conversations avec lui très pleinement. Et lui a fait. Et comme ça, on s'est connus assez bien. C'est quelque chose que les choses savent de Tsongarakshita, mais pas forcément de. Non, non, c'était pas du tout sexuel. Non, la relation n'était pas sexuelle. Et la dernière chose, je voulais, c'est parler avec Bhante de sa vie sexuelle, mais on parlait des relations et surtout sa relation avec Terry Delaney. Et tu as écrit tout un chapitre dans ton livre par rapport à ça. Et comment ça s'ouvrait à un potentiel pour l'amitié. Une remarquable phrase dans le livre que j'ai pris de Bhante, de ses mémoires. Il se demandait si sa relation, son amitié avec Terry et si cette relation avait une influence sur le futur du bouddhisme en Occident. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as été une position par rapport à Terry? Et Terry ne voulait pas être impliqué dans un mouvement bouddhiste. Est-ce que tu avais peut-être un sens de ce que ça voulait dire pour Tsongarakshita, qu'est-ce que ça signifiait? Ben, on se connaît la vision de Bhante sur le potentiel d'amitié du point de vue spirituel. Il me disait à un moment donné, c'est pas un truc, une essence. Le gourou, si on utilise le gourou, développe pas une relation avec le disciple, c'est quelque chose qui va dans les deux sens, c'est un processus.
un processus qui va dans les deux sens. Et plus largement, nous savons que Bhante a pris le joyau de la Sangha comme un idéal. Et je crois que l'amitié spirituelle, la communication authentique, Sangraksha a toujours ressenti que il y avait que tout ça avait une espèce de truc essentiel par rapport à oui, le gourou peut se révéler. Il n'enseignait pas de façon très consciente, mais en même temps, Sangraksha m'a éduqué. Mais c'était surtout, il se permettait d'être lui-même et me permettait d'être moi-même. Que j'ai trouvé difficile au début, je dois dire, c'est pas facile. Une phrase dans le livre où il disait, où on mettait de mettre son duvet sur la tête pour ce que Sangharakshita transmettre, c'était fort et ça. Oui, lui-même, ses profondeurs, et ça travaille sur moi assez fortement. Parfois, c'était trop, hein. C'était juste la qualité de sa présence et son attention. J'avais l'impression que il était prêt à prendre, à suivre la communication là où elle nous amenait vers les profondeurs, vers les hauteurs. C'était très précieux pour moi. Et Bhante parle de l'unification entre Sangraksha 1 et Sangraksha 2, et je crois qu'il y a aussi un paramat, 1, 2, 3 et 4, qui devait se relier à les uns à l'autre. Et moi, j'ai senti que ce processus travaillait beaucoup sur moi pendant les premières années. Mais c'était un défi, mais c'était aussi une joie. Quand on a déménagé pour habiter à Londres, sa préoccupation, c'était que s'il n'allait pas continuer à prendre charge l'organisation et l'administration du mouvement, il voulait quand même apporter quelque chose de créatif au mouvement. Et c'est là où il a fini son mémoire face à Kanchenjunga, le Sign of the Whale. Peut-être d'autres choses à ce moment-là, je sais plus, tu vas savoir. Aussi le projet qui s'appelait Spoken Word, il y a la sagesse au-delà des Mon mots. sens de bonté dans cette phase, c'est que j'allais le voir, je le fais régulièrement, son bureau était toujours couvert de papier créatif, de ses écrits, de ses séminaires. Quelque chose que tu as remarqué dans le livre et que tu as relevé, c'est un point d'une conversation que nous avions entre moi et lui, où il s'excusait d'avoir une personnalité qui transmettait dans son enseignement. Et ça me surprend que tu aies choisi cette phrase, relevé cette phrase en particulier, surtout en étant un ami proche de lui. Oui, je crois que tu l'as bien dit dans le livre. Il dit qu'il avait une personnalité qui avait une difficulté pour le communiquer. Et parfois, il se réveillait au milieu de la nuit, il était inondé de méta, vraiment, mais il n'arrive pas à le communiquer. Et je crois que c'est vrai par rapport à lui. Autour de lui, c'était juste au début, c'était juste une atmosphère autour de lui, et moi, j'ai pu participer dans cette atmosphère. Lui, assis, juste écrire avec la lumière venant de l'extérieur, les voix d'enfants qu'on entendait à l'extérieur, il y a quelque chose au-delà du temps et
joyeux par rapport à ça. Il était absorbé, il était heureux. Moi, j'étais juste en train d'observer. Il y avait vraiment un sens tangible, palpable autour de lui. Oui, une espèce d'atmosphère palpable qui crée autour de lui. Au début, et plus tard aussi, quand on s'est assis ensemble à Adishtana, regarder Tu m'as le parlé paysage. de vivre avec lui quand tu m'as qu'il avait un constant sens de but et de prise de conscience. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui fonctionne avec ce niveau-là, qui avait une vie régulière de cette façon-là? En fait, il était toujours, toujours encourageant, profondément encourageant. Il y avait la communication, il y avait l'authenticité, il était vraiment lui-même. Il a dit à un moment donné que moi, j'ai demandé ça à lui. Moi, j'étais ouvert, j'étais réceptif, et donc ça faisait sortir ça de lui, mais aussi c'était un défi pour moi. Il fallait que je me lève vers le haut. Et il était très très raffiné, il était très sensible. Et il y avait des couches, peut-être 10 couches de réserve. Par exemple, si j'ai dit quelque chose qui était inapproprié ou un peu vulgaire ou un peu grossier, on sentait son attention se retirer devant moi comme s'il se protégeait. Je ne sais pas comment dire, il semblait hausser le bar pour moi en termes de ce que je dis, de comment je m'exprimerai. Et on était là ensemble dans cet appartement à Londres pendant 4 ans et puis 9 ans ici à Adishtana. C'était juste le défi. Est-ce que je levais le défi ou pas, je ne sais pas. Mais juste être avec lui. Lui était juste lui-même, on sentait cette espèce d'engagement, plein engagement dans ce qu'il faisait. Tu as pris l'impression de cette conversation. Une lumière qui disparaît dans la réflexion. Oui, et cela, ça générait une certaine atmosphère. Je lui ai acheté une paire de lions pour son hôtel, des lions de Chatsworth. Parce que d'un côté, c'était vraiment une présence gentille et encourageante. Mais aussi, ça me rappelait Saint Jérôme avec toujours l'image de lion. Et en fait, il avait aussi, lui, il avait une facsimilé d'image de Saint Jérôme avec le lion. Et bâti avec ce mudra, il s'asseyait comme ça, pendant des heures, avec ses mains placées comme ça, juste en réflexion. Il y avait une énergie, dans cette posture qu'il prenait. C'est un peu comme un lion. Non, tu disais sauvage. Je pensais que c'était dans une façon que je voulais pas, qui n'était pas sophistiquée, qui était sauvage, qui ne conformait pas aux attentes des civilisés. J'ai raté ça, excusez-moi. Oui, j'ai toujours ressenti ça. Mais pour certaines personnes, c'était assez inconfortable. Je me souviens, j'ai amené Bante en Nouvelle-Zélande voir ma mère. Et il fait pas tout ce qu'il faut de façon sociale pour être gentil et tout ça. Il est juste là. Ma mère était un peu effrayée, je crois, que par cette présence.
Oui, oui, elle est arrivée, elle était juste assise tranquillement, réfléchir, les gens venaient dans la maison et elle était juste contente, juste assise, regardait les gens et faisait pas l'effort pour faire la petite conversation, les banalités. Et, Tu peux toujours aller dans la cuisine avec ta mère et lui dire juste la façon dont il est toujours comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'ai remarqué aussi que moi, j'étais pas là. Elle allait, ma mère allait à ses côtés et lui posait des questions. Et donc, je ne sais pas de quoi elle discutait avec lui. Je lui ai pas demandé, mais c'était plus tard, j'en ai parlé avec elle. Et je lui ai demandé, tu n'aimais pas vraiment Banté, Ah non, non, elle disait, non, non, c'est tout, j'ai pas ça, c'est que j'ai toujours eu un truc quand je sens que les gens me regardent en haut, et à ce moment-là, elle a pleuré. Et c'est la première fois que j'ai vu ma mère pleurer, et je crois qu'il y avait quelque chose qui travaillait sur elle à ce niveau-là. Et c'est un peu comme son centre de gravité à Banté était ailleurs, il sentait pas vraiment le besoin de plaire aux autres. Oui, Pascal, il citait ce truc. Parfois, s'il référait à quelqu'un ou à quelque chose qui s'est passé, il disait, tu sais ce que dit Blaise Pascal? Et j'avais aucune idée de ce que Pascal a dit. Toutes les maux de l'humanité viennent du fait que l'homme n'est pas capable de s'asseoir seul dans une pièce. Ça, c'est une citation de Blaise Pascal. Et c'était un peu que Banté citait beaucoup. Et je crois que c'était lui, il était tout à fait capable de faire ça. Et la partie de ton livre qui parle de son enfance, qu'est-ce que ça a été à l'âge de 8 ans d'avoir être dit, il faut s'asseoir tranquillement, ne pas bouger. Et d'une certaine manière, il était très précoce dans ce sens-là. Quelqu'un me demandait comment il est devenu la personne qu'il est devenu, qu'il était. Et je suis pas allé à celui de 16 ans, mais celui qui est 8 ans, qui était dans son lit, qui utilisait son imagination et qui a préparé le terrain pour les réalisations qui prennent racine. Et c'est ce qui m'est revenu vers moi, ouais. Le temps qu'il a passé au lit et qui a fait qu'il est devenu lui. Non, je crois qu'il a été atterri de quelqu'un d'autre, de quelque part d'autre, parce que même avant ça, il a déjà lu Johnson, il a regardé tout ce qu'il y avait dans la librairie dans la bibliothèque de son père, il était très précoce dans tout ce qu'il a lu. Oui, d'autres garçons de son âge étaient en train de lire les BD de Combino ou d'autres trucs. Et cette capacité pour absorption et l'imagination. Oui, il était livresque, mais pas de façon pédantique. Il était toujours curieux et toujours ouvert. Il va lire deux ou trois livres par semaine jusqu'à ce qu'il a perdu la vue. Il parlait de disparaître dans le monde de l'auteur, même. Oui. Et souvent, oui, il lisait Schopenhauer, il devenait Schopenhauer, et puis après, son esprit critique allait se remettre en route. Et cette capacité pour l'absorption, pour se perdre dans le monde de l'auteur, a commencé déjà dans son enfance. Il se mettait dans une position tellement réceptive, tellement ouverte, pour se laisser affecter profondément par ce qu'il lisait. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la logique ou la raison. C'est autre chose qui se passe là.
Et une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ton livre, c'était le lien que tu fais entre cette expérience de tôt d'enfance et puis son expérience où elle a rencontré le sutra de sutra de Weining et le sutra de diamant. Sutra de démon, il y a un moment où on lui demande si le riz est prêt, et le riz répond oui, depuis longtemps. Et on a vraiment le même sens que ça, en fait, Bhante était prêt depuis longtemps, de son enfance, cette capacité qu'il avait, qu'il développait. Sa mère m'a dit une fois, tu sais que Dennis, quand il était adolescent, son esprit n'était pas en Angleterre. Et je crois que elle voulait dire que son esprit n'était pas dans le monde du tout, en fait. Et elle, sa mère, elle a reconnu ça. Quand il disait lui-même qu'il n'a jamais, en ma présence en tout cas, n'a jamais suggéré que la reconnaissance entrait en jeu. Est-ce qu'il a parlé à toi de ce que lui, pourquoi il est arrivé à être qui il était? Non, non, il n'a jamais parlé de ça. Oui, parfois il a spéculé dans le way qu'il était un abbé mais, du 11e siècle, mais. Mais en fait, toute son expérience, il le traitait juste sur l'expérience de l'expérience. Il ne faisait pas des interprétations de. Et souvent, ces expériences spirituelles venaient sorties des rêves. Et puis, il pourrait communiquer très fortement ces expériences. Mais il n'attirait jamais des conclusions. Il n'en attirait jamais, tenait jamais des conclusions. Il n'allait pas se laisser jamais aller dans l'interprétation. Vous partagez vos rêves et que c'était vraiment une partie importante de votre communication, et de ce qu'il essayait de partager avec toi. Oui, toutes les couches de l'être humain, pas juste la petite partie conscience qui sort des os, qui est visible, et penser que ça faisait partie de sa compréhension de soi-même. Il y avait des moments où moi j'étais profondément touchée par exemple, je suis allée le voir et il était là assis sur le bord du livre dans un état d'espèce de choc, mais c'était positif. C'était pas peu avant sa mort, il avait fait un rêve où il était dans un endroit tout à fait beau, et il était avec plusieurs moines qu'il connaissait intimement chacun. Ils étaient tous heureux et on ne savait pas. Quand tu dis il savait dans son rêve, il connaissait. Oui, dans le rêve, il knew qu'il connaissait ses moines intimement. Et on voyait, en fait, quand il sortit du rêve, c'était comme une espèce d'inondation de métta, et c'était une expérience super positive pour lui. Il était heureux. Mais il n'a pas ajouté une interprétation, il n'a pas discuté, c'était juste ce que c'était. Et c'était très tentant de vouloir lui dire, mais il fallait juste laisser l'expérience être Ce que ce je me qu'elle était. rappelle, quand tu parlais d'un autre rêve, qui avait des Ah robes rouges, d'autres robes. oui. Ça c'était intéressant. Moi j'allais le matin ou le midi un jour. Et souvent il faisait des rêves avec ses rêves. Et là c'était Dev Gokhale qui était assis sur un estrade et tout autour de lui il y avait des moines et des tulkus. Et Dilgo Khyentse demandait à l'audience qui met sa foi dans le Madhyamika. Et il y avait des gens qui mettaient les mains.
Et la plupart des mois, on soulevait les mains. Et quelques tukkas aussi. Et puis, quelqu'un sait qui a mis sa foi dans le Yogacharaka. Et Banti a mis sa main avec quelques moines et tous les tukkas. Il m'a juste parlé de ce rêve, mais on n'a pas interprété. Il a juste expliqué le rêve. Mais le Yogacara, le Yankavatara, c'est... Et c'est quelque chose où on fait l'expérience d'une expérience directe du Dharma. Il voyait pas le Dharma comme un truc intellectuel, c'était quelque chose qu'il fallait vivre, il Et aussi fallait le partage. pratiquer, il fallait le partager. Et ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Le rêve. Pas sur la signification du rêve, mais la question de Sangharakshita comme moine, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui de continuer à porter des robes quand il arrivait en Occident ou dans certains contextes? Et qu'est-ce que ça jouait sur l'esprit des gens aussi, leur perception de Manti et leur relation avec lui. Et certains étaient confus par cette expérience. Et aussi par rapport, du coup, avec sa sexualité. Et tu étais proche de lui. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Qu'est-ce que tu pensais, toi, en tant qu'ami? Mais j'étais très consciente de ce qui se passait. Aussi, j'étais très consciente qu'il y avait même si j'étais un peu à part, j'avais qu'il y avait pas mal de stress et de défis liés à son histoire. Mais quand je suis venue arriver moi, mais j'avais l'impression que son histoire sexuelle était vraiment dans le passé. Je me souviens qu'il m'a dit que en 89, qu'il avait l'intention de rester célibat pour le reste de sa vie, chaste pour le reste de sa vie. Je l'ai interviewé en 1988 et il n'était plus. C'est comme s'il était. C'était sa façon de trouver son chemin vers une voie de communication au-delà des Et dans son interview, j'ai essayé les relations sexuelles et puis j'ai arrêté. C'était pas. C'était autour de Oui, cette c'est période-là. à ce moment-là que je suis arrivée. Et c'est clair que Banti a fait des bêtises dans ce domaine. Et j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ceux qui ont souffert ainsi. Et moi, je me suis dit, je peux comprendre comment ça pourrait arriver. Moi-même, je sentais que quand on connaît Banti, c'est une grande personnalité. C'était pas pour moi, ça c'est pas. Mais en même temps, donc le sexe n'était pas. Vous Mais on aviez crée une contrat relation très d'amitié. très intime. Donc je peux voir comment ça peut marcher. On a discuté les relations importantes et j'ai pu voir comment tout cela a affecté Banté. Mais pour moi, je peux dire, pour les 30 ans où j'étais son ami, ce qui m'a vraiment impressionné. Or whatever. I mean, for me,
it's quite difficult because most of my time with Bhante, I saw he was, he acted very skillfully. Pour la plupart du temps avec moi, il agit toujours de façon très habile. Donc, je crois vraiment, honnêtement, il y avait vraiment très très peu de moments où, s'il y en avait, où il n'était pas engagé avec le Dharma ou communiquant sur la base du Dharma. Et tu m'as dit une fois dans une conversation, il y a des années, que grandir en tant qu'homosexuel, quand c'était illégal, il a recouvert tout ça avec du béton. Et quand il a lâché, il n'avait aucune base d'expérience. Oui, moi j'avais beaucoup plus d'expérience sexuelle à mon âge que Bhante. Et moi j'avais 27 ans quand je l'ai rencontré. Et si on pense qu'à l'époque, quand il était jeune, c'était criminel, on pourrait se retrouver en prison pour des actes homosexuels. Je crois que, il y avait toutes ces aspirations super fortes, et puis il a mis une couche de béton par-dessus de tous ses désirs, et puis les années 60, tout ça sorti d'un seul coup. Il questionnait déjà cette relation entre le monastique et la vie sexuelle. Et c'était une partie de l'histoire. Et quelque ouais. chose qui s'est sorti du processus. Ouais, je crois que vu le voile temps, on a bientôt fini. J'ai un souvenir de pas longtemps après que Bhante soit mort, vous n'étiez pas prêt à parler encore, maintenant tu parles un peu plus, et peut-être plus tard tu écriras quelque chose, et je veux juste dire quelque chose que Bhante m'a dit à moi, quand il a aménagé à Padmalokha. Et il a trouvé un ami qui était digne de recevoir ses enseignements. Et je suis, en étant dans ces 30 ans avec lui, est-ce que ça te parle? Ou est-ce que c'est bizarre? Je suis très heureux maintenant de partager mon expérience de Bhante comme je l'ai connue, mais je me sens très humble face à cette observation. Mais ça fait partie la communauté d'enseignement d'Anishtana. Nous avons tous une responsabilité d'essayer de transmettre l'esprit de cet homme qui est indéfinable, indéfinissible, mystérieux. Et n'est pas l'exception. Ça, ce sera toujours le cas pour nous et les générations futures. Et je voudrais finir par le rêve dont tu as parlé, juste après qu'il soit mort, et d'être dans une pièce. Et oui. Oui, j'étais rêvé où j'étais dans un énorme cercle de bouddhistes, pas que de l'ordre, énorme cercle. Et j'ai vu loin, quelqu'un qui me faisait signe. Et j'ai regardé très très dur et c'était Bhante. Et en fait, il tenait en haut un verre de vin rouge. Il le tenait en haut et c'est comme s'il me faisait tester ma santé.
Et je me suis rendu que j'avais aussi un verre de vin rouge, donc je tiens à trinquer sa santé aussi. Dans ce grand cercle de sangha, il n'était pas exclusivement l'ordre. Et ça, pour moi, c'était un rêve très très positif et qui m'a laissé avec un sentiment très profond. C'était pas très très longtemps après les morts. Bon, voilà. Je ne l'ai pas interprété, mais ça fait une bonne partie. Merci, merci. Merci, merci. Merci des gens d'avoir organisé ça. Merci. Merci à l'équipe. Et retour à Nyanadara. Dans le studio ailleurs. Je suis à Jürgen House, dans l'entrée. Et merci à vous deux de cette évocation vivante. Merci à tous. J'aimerais en entendre beaucoup plus, mais le temps passe. Et je viens de lire le livre de Nagabodhi. C'est une évocation de Tsongkhapa Rinpoche très, très vivante. Et je pense que Tsongkhapa Rinpoche disait on dit de Tsongkhapa Rinpoche qu'il n'a pas gaspillé une seule minute de sa vie. Et c'est comme si Nagabodhi n'avait pas gaspillé un seul mot dans son livre. Voilà. Allez voir lisez le livre si vous pouvez. Ouais. Et le chat, il y aura le lien pour le livre. Ouais. Merci Nagabodhi et Paramatha. Et on peut pas faire des applaudissements, mais on essaie d'applaudir comme on peut. Voilà, on fait des mains. Alors, on bouge nos mains. Voilà, merci. Et aujourd'hui, c'est une offrande, c'est un don de certain nombre de nous. Et moi, en tant que coordinateur du mouvement, Adhisthana, le BuddhistCenter.com et Dharma Fund. Et Puerto Rica, qui est de Wyndham, dans l'est de l'Angleterre, et elle va nous parler de Future Dharma Fund et de Bhante. Après avoir entendu le Bhante de Paramahansa et Nagabodhi. Salut Nyanadara, oui, je vais bien. Quelle matinée riche entendre de Bhante et la pratique de Metta-Bhavana ce matin avec Suri Gupta, c'était super. C'est très riche, on est juste à la fin de la saison, la deuxième partie. Dis-nous un peu ce que c'est ton rôle à Dharma Fund. Donc, je fais partie de l'équipe qui s'occupe des donateurs. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez rempli un de nos cartes de redonner, c'est nous qui nous contactons pour t'aider à faire ta donation. Et puis, c'est dans les coulisses un peu. Mais l'autre partie de ma semaine, c'est faire la même chose pour Tirandaloka Unlimited. Qu'est-ce que c'est Tirandaloka Unlimited, c'est quoi pour les gens qui ne sont pas d'ici? Donc, Tirandaloka, c'est un centre de retraite en Pays de Galles qui est magique, qui offre la formation pour les femmes qui ont demandé l'ordination. Et en ce moment, c'est très limité par sa taille. Il est trop petit. Et ça veut dire qu'il y a des longues listes d'attente pour des retraites. Donc, elles essaient de chercher de l'argent pour acheter un endroit plus grand. Et pour une équipe pour soutenir la communauté, parce que la communauté là-bas fait tout. Aide les gens, les femmes à aller vers l'ordination, elle achète la nourriture et tout. Et ça t'inspire à travailler pour Future Dharma Fund, à répondre aux besoins? Qu'est-ce qui t'inspire à travailler pour? Donc, j'ai toujours senti très motivée à rendre le Dharma librement disponible à le plus grand nombre de personnes partout dans le monde. Et ça a vraiment grandi après mon ordination. C'est le Dharma Chakra, le roue du Dharma qui tourne. C'est un symbole qui apparaît beaucoup dans mes méditations. Et après avoir travaillé depuis un an, presque un an, pour Future Dharma Fund, je suis encore plus inspirée par toutes les histoires derrière les projets que nous fondons.
et comment les histoires arrivent, les histoires du Dharma qui a touché très profondément la vie de quelqu'un et cette personne veut partager ce don avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment inspirant à voir la transformation des rêves des personnes et voir le Dharma, écouter la Dharma dans la langue natale ou acheter suffisamment de coussins pour leur salle de méditation ou publier des livres de Dharma. Et un des exemples très forts de cette expérience de Dis-nous Trinidad. qui c'est Trinidad, pour ceux qui savent pas d'où c'est. Alors, Trinidad, c'est dans la Caraïbe. C'est une île là-bas. Il y a un projet de Future Dharma là-bas qui est inspiré par les livres de Wintours. Wintours, c'est un des projets plus grands que nous soutenons. L'année dernière, on a donné 28 000 livres. Et à Trinidad, il y a un homme qui s'appelle Hugh Skinner. Il a rencontré un livre sur son étagère. Il avait aucune idée comment il avait ce livre sur son étagère. Il l'a trouvé, le regardé. Et en fait, il a ouvert sur le poème de Bhante, Je suis le Wintours. Et ça l'a vraiment frappé parce que il y a 2 jours d'avant, il a écrit un poème lui-même par rapport à un cheval qui traversait le ciel. Et donc il a dit, bah, il faut que je lis ce livre. Et c'était le livre Buddhism for Today, publié par Wintour. C'est un livre écrit par Subhuti. Et après, il a lu ce livre et il a contacté Subhuti. Il a demandé l'ordination. Il n'y a pas de groupe Theravada sur l'île de Trinidad, peut-être un groupe bouddhiste, mais lui, il voulait vraiment développer son lien avec Theravada. Alors, grâce à des donations de nos donateurs de Future Dharma, il a permis quelqu'un de l'Inde à visiter et apporter le Dharma à des douzaines de personnes à Trinidad où peut-être on n'aurait pas découvert le Dharma autrement. Il y a tellement d'intérêt dans le groupe qu'il y a encore des cours de méditation et Excellent. d'études C'est qui une continuent très en belle ligne. histoire. Et quelle différence un livre peut faire? Ouais. On parlait tout à l'heure que les livres sortent, mais ouais, les livres rencontrent les gens, en fait. Ouais. Et transforment les gens. Oui, c'est un peu comme des graines qui sont semées en nous et qui grandissent en nous. Et puis, et les livres, on peut toujours les passer de l'une personne à l'autre. Et ça peut arriver quelque part très inspirer quelqu'un. Je pense que c'est pas facile d'être un éditeur de livres en ce moment. Oui, il y a énormément de défis. Les difficultés d'avoir du papier, le coût du papier, la production, la compétition pour l'attention des gens. Il y a beaucoup de choses en ligne et la lecture n'est pas toujours quelque chose, les livres, vrais livres, les gens ne sont pas toujours attirés par cela. Tu nous as parlé un peu de notre travail, de toi, de Trinidad, des livres. Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui? De quoi quelle est ta demande aux gens aujourd'hui? Comme Nandavajra, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les fonds normalement. Moi, je travaille dans les coulisses, mais aujourd'hui, j'ai une demande. Donc, Future Dharma Fund cherche chercher 1 million de livres partout dans le monde pour des livres. Et en ce moment, il y a beaucoup d'applications. Il y a un an, il y avait l'appel Avalokiteshvara dans le monde et chaque bras des 1 000 bras de Avalokiteshvara représente 1 000 livres. Et chaque bras de Avalokiteshvara peut être vu comme un de nous qui travaille quelque part dans le monde pour passer le dharma à d'autres personnes. Donc on peut devenir des bodhisattvas de tous les jours en donnant quelque chose, en faisant un don. Pour aider à publier des livres qu'on n'a pas encore publiés. Donc, en donnant un don, on peut devenir un. Donc, jusqu'à présent, on a eu 557 000 euros. Et
L'année dernière, on a réussi à gagner 5 000 euros, livres sur Tri Ratna Day, donc on espère pouvoir faire ça. Donc ça, si 200 d'entre nous donnaient 25 livres, 28 euros, 49 dollars Nouvelle-Zélande, 46 dollars australiens pour arriver à faire ça. Donc si vous voulez donner quelque chose aujourd'hui, des livres, des euros, quoi que vous voulez, vous allez aider à rendre le dharma disponible à beaucoup de gens partout dans le monde. Et voilà, le Voilà, il vient lien juste apparaît d'apparaître. dans le chat juste maintenant. Donc si vous voulez cliquer sur ce Merci, lien Paul pour donner Dorica, quelque chose, ce serait pour super. cette nouvelle fenêtre dans le futur Dharma et ce que vous faites, et d'amener le Dharma aux gens de partout dans le monde. Merci. Et on va finir cette session. Et si vous avez des réponses, du feedback à faire, merci. Vous pouvez les mettre dans les chats, d'autres idées, et répondez au lien qui va apparaître dans quelques minutes. On serait content d'entendre vos commentaires. Cette pièce va fermer pour quelques minutes. On sera de retour dans 20 minutes. On revient sur le même lien tout à l'heure. On aura une présentation d'abord par Mahamati dans l'exposition les enseignants précieux, et ensuite on aura une présentation de Sadanandé. Donc à quelques minutes. Et voilà, le lien pour le feedback vient d'apparaître. Quand nous avons fermé cette session. À bientôt. Allez, donc bon revenu, bon retour à Tri Ratna Day, ou bienvenue si vous êtes venu d'arriver. On est en direct d'Atistana, et dans un instant, on entendra une conférence de Sandamandi, et ensuite un petit mot d'Alex, de Dharma Fund. Et avant chaque session d'aujourd'hui, on va vous montrer un endroit particulier de Adishtana et de ce qui fait Adishtana. Et on va on va discuter du sens de cet endroit avec quelqu'un en particulier. Et là, l'endroit où on était enterré, et là on est dans l'exposition je vais juste vous dire quelque chose de pratique sur la conférence, et après la conférence, il y aura des pièces de. Pour avoir des groupes spécifiques pour des langues, est-ce que vous pouvez mettre après votre nom la langue dans laquelle vous parlez? Et comme ça, on pourra vous mettre dans une pièce Zoom ensuite pour les groupes de discussion. Juste avec votre nom, rajoutez la langue. Et si vous avez, pour changer votre nom, si sur votre image, si vous appuyez sur les trois petits points, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez renommer. Et si vous êtes sur un iPhone ou iPad, vous allez sur Participants, et votre nom, vous pouvez aussi modifier en cliquant sur les trois points. Si vous avez des questions techniques, vous cherchez dans les participants Aparajita, et il pourra répondre. Vous pouvez lui envoyer un message et il pourra répondre spécifiquement à votre question technique. Donc, on est avec Mahamati dans Urgenhaus. Il y a deux pièces dans cela, et on est dans une de ces pièces. Et Mahamati est ici.
Il est le président de Sangharakshita Trust qui s'occupe de Urgell House. Et il y a cette exposition qui a été mise en place par cette exposition de Sangharakshita Trust. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition? D'abord, j'aimerais dire que cette pièce, j'ai passé beaucoup de temps dans cette pièce parce que c'était la salle à manger de Bhante. Donc, la présence de Bhante, ça a transformé. Ouais, j'avais des souvenirs de manger en silence avec lui dans cette salle à manger. Et maintenant, c'est une salle d'exposition. On a beaucoup des objets de son temps en Inde avec ses enseignants, ses maîtres. Et je le vois pas comme un musée. Peut-être pour certains et pour ceux qui n'ont pas de connexion, de lien avec Bhante, ce serait comme un musée. Mais tous ces objets, les tankas, les vitrines, oui, tout ça, ça ressemble à un musée, c'est vrai. Pour ceux qui seraient peut-être peut-être très intéressants, peut-être un peu intéressants, des objets, peut-être ceux qui sont moins intéressants. Il y a des lettres, il y a des textes, il y a des sadhanas, de sadhana. Il y a des objets qui ont été donnés à Bhante par ses maîtres avant qu'ils reviennent en Angleterre. Et pour beaucoup d'entre nous, ce sont des objets vivants. C'est un espace sacré. C'est un lieu qui est vivant. C'est comme ça que je ressens moi-même par rapport à cet espace. C'est un lieu sacré qui me lie à ma lignée. C'est vraiment la sensation que j'avais en arrivant ici. C'est une sensation d'être relié à Sangharakshita et à ses enseignants, lui. Il y a quelque chose de très formel, des objets très formels, comme les textes de Sardana. Il y a des vajras, une cloche, et il y a aussi des lettres, des choses plus personnelles. Oui, une lettre belle, lettre intime de Yogi Chen, écrite comme semble être une lettre pour envoyer par l'avion, mais qui était d'un côté de Kalimpong à l'autre, où il s'excuse auprès de Bhante pour ne pas avoir pu continuer, compléter son enseignement sur une occasion particulière, et parce que le temps était mauvais, ils ont dû partir tôt, quelque chose comme ça. Mais c'était très beau. Est-ce que toi, tu as un objet préféré? Je pense que cette lettre, c'est vraiment quelque chose de favori. Et il y a un bout de papier aussi. On dirait que Bhante a un petit dessin au stylo à billes de qu'est-ce que c'est, l'arbre de refuge, comme s'il essayait d'expliquer quelque chose. Et il a juste fait ce petit schéma, et je l'imagine avec Kachu Rinpoche, et puis il essaie de décrire. Exactement, oui, tout à fait. On a le journal, l'entrée dans le journal, dans son écriture, octobre 23 1957, le jour où il a reçu des initiations de Jamyang Khyentse Rinpoche. Je peux le dire, quel est mon objet préféré? C'est difficile de trouver, de choisir un objet préféré, mais Bhante a des 8 tankas, des représentations de Padmasambhava, et j'aurai pas le temps de parler, de raconter l'histoire de comment il a pu les obtenir. C'était un réfugié tibétain qui est venu frapper à la porte, qui voulait lui vendre ses tankas, mais Bhante a dit qu'il n'avait pas assez d'argent. Donc le Tibétain descendait le jusqu'à 40 roupies pour des tankas qui viennent probablement du 19e siècle. Il s'est rendu compte plus tard, il y a 8 tankas pour 5 roupies chacun. Et celui que je préfère, c'est Padmasambhava qui apparaît comme Shakyasinghe. Il apparaît comme le Bouddha. Vous ne pouvez pas le voir derrière, là, c'est sur le mur derrière.
Et c'est ton cas. Et toute l'exposition, vous pouvez le voir en ligne. Donc, on a dit que c'est dommage que les gens qui nous rejoignent en ligne ne peuvent pas le visiter, mais vous pouvez le voir en lien. Le lien sera dans le chat. Et si vous voulez, vous pouvez voir tous les objets de cette exposition dans le site. Et vous pouvez même les voir plus clairement des fois qu'en vrai. Et plus qu'on finisse, avant qu'on finisse, on a un moitié. Je me souviens de parler, de discuter avec ça. Mais derrière, entre nous, il y a cette robe rouge. Tu peux nous dire ce que c'est? Ça, c'est la robe de Dado Rinpoche quand il était jeune, le moine au Tibet. Il a donné cette robe à Bante un peu avant que Bante a quitté l'Inde, quand il est retourné en Inde pour dire au revoir. Et c'est traditionnel qu'un maître donne une robe à son disciple dans l'espoir qu'ils vont se re-rencontrer dans une prochaine vie. Et donc ça, c'est Dado Rinpoche qui l'a donné à Bante. C'est quelque chose de très... il tenait beaucoup à cœur Bante. Et maintenant, c'est précieux pour nous tous. Et je voulais juste mentionner une autre chose. Il y aura une nouvelle exposition qui commencera en août. Donc cette exposition va terminer en juillet. Mais ça continuera en ligne pour jamais. Et la nouvelle exposition, okay, ce serait concernant les débuts du mouvement. Ok. Impatient de voir ça. Merci de nous avoir présenté ça. Et on va aller dans la salle de méditation de l'Ishtana, où les chants sont rassemblés pour écouter la conférence de Sadhanandi. God, terrible sound. Oh là là. On est à peu près 120 ici. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Il y a à peu près 120 là-bas aussi. Ok. Et c'est donc les 120 qui sont ici. À peu près 80 d'entre nous sont en retraite ici, qui a commencé avec hier. Nous avions une conférence. Est-ce qu'un gourou est nécessaire? Et tout le monde il rigole parce que c'était une conférence de moi. Et maintenant, nous aurons une autre conférence de Sadhanandi. Sadhanandi va nous parler de la charge électrique de la communication. Et on a parlé de foi. On devrait faire une révérence, une réceptivité. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose, une retraite autour de ça? Non, on va faire quelque chose de plus fort, quelque chose de plus dense. On trouve un sujet. On a choisi ce thème. Est-ce qu'un gourou est nécessaire, qui est une conférence de Bante des années 70? C'était à l'époque où les Beatles étaient en première fois en retraite, où les gourous étaient assez cool. Et à la fin de ce talk, Sangharakshita parlait de ces principes de communication avec ceux qui sont plus expérimentés que nous. Et Sadhanandi va, je pense, aller prendre ça plus loin dans cette conférence. Et quelle est cette relation entre un ami et quelqu'un de plus expérimenté? Sadhanandi vit à Adhisthana ici depuis de nombreuses années, pas depuis le tout début, mais presque. Et Sadhanandi est une vraie force motrice, en tout cas de mon point de vue.
dans le fait de faire décoller Alishtana, de le faire marcher. Sadanandi a été vraiment une force motrice dans le faire tourner. Elle va marcher avant de donner ses conférences et elle est revenue avec deux poubelles. Elle sait ce qu'elle fait. Elle donne une conférence, elle dirige une retraite et elle ramène les poubelles. C'est incroyable. Tout ça en souriant. Tasse de thé dans le parking et elle est venue demander si je voulais une autre tasse. Elle est vraiment active. This kindness, this going to you, offering tea, smiling, qu'elle a cette gentillesse en fait d'amener cette tasse de thé. Particularly her ability to challenge. So this sort of compassionate. Elle est douce, bienveillante, mais aussi elle amène du défi aussi. C'est pas juste la légèreté. Elle titille, qui est des fois amusant et qui est pas méchant, qui est encourageant. Voilà, je suis content d'entendre de Sadanandi. Ça va pour toi? Tu peux le faire. Thank you, Kishantikara. It's very difficult to give this talk actually after such an excellent conference. Merci beaucoup, Shantikara. C'est très difficile de faire cette conférence après une si bonne conférence hier. I just did it. Pardon, tu me dis ça là. Donc, le thème de ce week-end, c'est la conférence de Sangrakshita. Est-ce qu'un gourou est nécessaire? Qu'il a donné en 1970 à Sangrakshita. Donc, il avait ouvert, commencé le mouvement il y a 3 ans avant ça. Et il a commencé à ordonner les gens 2 ans avant. Donc, c'est. Et si vous ne m'entendez pas, dites-moi qu'il faut. Vous m'entendez bien? Oh mince. Il faut faire attention à ce que tu en demandes. Ok, je vais parler plus fort. Ok. Donc il se demande la question très très tôt dans la création du mouvement. C'est une question assez audacieuse pour le créateur d'un mouvement. Il essaie de clarifier de quoi le mouvement a besoin, mais aussi essaie de clarifier sa propre position, qui est difficile à faire en public, clarifier ta position au sein d'une communauté, en public comme ça. Et je veux juste soulever ça comme une question intéressante et il nous invite à retourner au principe et nous clarifier pour nous-mêmes qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire. Et lui, il était en train de se demander qu'est-ce que je veux vraiment donner à cet ordre, à ce mouvement. Et ceci est basé sur sa propre tendance, sa propre intégrité, sa tendance à se questionner tout le temps, les questions qui se posent. Mais aussi, quand on a la responsabilité de créer une communauté, tu as vraiment besoin de te poser des questions assez profondes. C'est quoi la nature de cette communauté? Quels sont les principes sur lesquels je la base? Quelles sont ses fondations?
Aussi, à ce moment-là, il avait pratiqué en Inde et puis pendant une petite période en Angleterre. Il voyait les gens se relier à lui, réagir à lui dans des façons très, parfois des façons très bizarres. Et avoir des relations avec d'autres maîtres. Donc, il se pose la question, c'est quoi la nature de cette relation entre maître et disciple? Et quelle partie de tout ça est-ce qu'on a besoin en tant que communauté spirituelle et dans quelle partie on n'a pas besoin? Donc, je voudrais prendre Sangraksha comme un exemple de penser pour nous-mêmes, l'importance de penser pour nous-mêmes. Réfléchir pour nous-mêmes, se tenir libre des vues, des valeurs assumées, des prises de vue a priori. Il faut qu'on décide pour nous-mêmes les principes sur lesquels notre vie est basée. Et on a besoin de décider si cette communauté dont vous êtes déjà partie est basée sur les principes avec lesquels vous résonnez. Donc, pendant ce week-end, hier, après avoir une super conférence sur la conférence elle-même, je ne vais pas discuter et rediscuter cette conférence, est-ce qu'un gourou est nécessaire. Sangraksha l'a donné à la fin d'une série de conférences qui s'appelle « Des aspects de l'évolution supérieure », qui est aussi un topic intéressant à l'époque. L'idée de l'évolution, il voit les gens autour de lui tourner vers la science, vers l'évolution, se focaliser sur ça. Et lui, il se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Comment est-ce qu'on regarde l'idée d'évolution? Et cette lecture revient à la fin de cette série. Et pendant cette conférence, il nous dit deux choses qui sont nécessaires pour la croissance, pour l'évolution. La première, le contact avec la souffrance. Deuxièmement, contact avec un gourou, dans le sens d'une personne plus évoluée ou plus développée que nous-mêmes. Il y a d'autres choses qui sont sûrement nécessaires et peut-être même fondamentales, mais c'est deux choses sur lesquelles ils se focalisent pendant la. Je vais parler du premier, le contact avec la souffrance. Ceci ne veut pas dire qu'on a besoin de se focaliser sur nos problèmes ou soigner notre souffrance. La souffrance est inhérente à notre expérience, on ne peut pas l'éviter. Mais la souffrance vaut quelque chose seulement si on l'utilise comme une force de motivation. Il faut que l'on l'utilise, on a besoin de trouver notre propre force de motivation, notre motivation personnelle qui est forte, qui nous propulse et qui deviendra notre point de référence pour notre vie. Ceci aura un goût de quelque chose d'universel, même si ce serait un moment purement personnel. Ce moment personnel aura un aspect qui est une force universelle qui va, à partir de ce moment, diriger votre vie. Parfois, par exemple, on peut regarder en arrière et voir ces moments de notre vie et voir la façon dont ça a influencé notre vie. Peut-être à l'époque, on ne l'a pas vu. Parfois, on s'en rend compte sur le moment, mais parfois pas. Quand moi, j'étais un jeune bouddhiste et j'ai fait pas mal de retraites solitaires, des retraites où j'étais seule pendant 2 ou 3 semaines, avec très très peu de contact avec d'autres personnes. Et ces retraites portaient des moments de ma vie, des moments plus heureux de ma vie, et des moments les plus ennuyeux de ma vie, et des moments les plus significatifs de ma vie.
Il y avait une retraite où j'avais un dialogue où je me débattais avec l'ennui et la confusion et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ce truc bizarre de vivre toute seule, méditer? Soyons honnêtes, c'est pas très intéressant, c'est même ennuyeux parfois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais juste vérifier avec les autres, vous êtes d'accord? Hein? Et il y a d'autres personnes, ok, on va pas y aller maintenant, on va pas parler de ça maintenant. Ok, alors parfois ma méditation est un peu ennuyeuse. Et je me demandais, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fous là? Il y avait une réponse. Moi, les personnes que je rencontre qui font ça aussi sont assez intéressantes. Je me suis assez extravertie, mais non, il y a trop d'autres personnes là-dedans. Une autre réponse était, mais j'ai essayé de devenir quelque chose et la méditation semble être la clé. Mais ça, pour moi, c'était trop abstrait. C'était un peu trop abstrait, quoi. Où se trouvent les poubelles? Je vais aller les chercher. C'est plus concret. Et puis, j'ai une autre pensée. Ceci est la seule chose qui donne à ma vie une signification. C'est un moment d'authenticité plus profonde. J'ai vu pour la première fois, c'est ça qui me fait me lever le matin. Je ne sais pas comment les autres se lèvent le matin sans cela. Mais ma vie avait besoin d'un sens de direction, de croissance, de direction. Sinon, ma vie était plate, morne, sans signification. Et comme ça, je ne sais pas comment je me lèverai le matin. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai fait une école d'art et j'ai suivi les vies d'artistes et les artistes, ils savent toujours ce qu'ils vont faire, pourquoi ils se lèvent le matin. Donc, c'était pas autant le contenu de la réponse que j'ai trouvé, c'était insignifiant. Je peux dire ça à vous aujourd'hui et ça semble un peu sans signification, ça semble un peu sortir d'un livre, un livre sur le développement personnel ou qu'est-ce que ça veut dire être un bouddhiste, un bon bouddhiste. Mais non, c'était surtout que cette réponse, ça venait d'un endroit à moi qui était seulement à moi, qui venait des profondeurs de moi. Personne m'avait donné cette idée. Personne n'avait joué avec cette voix. C'était ma voix qui venait d'un endroit profond en moi, qui était ma voix à moi et sans influence de l'extérieur. Et c'est sur cela que j'ai construit ma vie spirituelle. Je remarque des moments de gentillesse, d'honnêteté, et je ressens, je goûte la réponse de foi que ça stimule en moi. Et je me dis, oui, c'est ça. Ce moment d'authenticité dans un moment de groupe, et quelqu'un parle la vérité, c'est sa vérité, et instinctivement, le cœur répond ainsi, on se dit, oui, ça c'est bien. Cette réponse de foi. Et je commence à voir comment, à l'intérieur de ma vie, comment ma vie a une signification. Et je commence à voir au travers des années que moi, je lutte contre une vue forte, nihiliste entre moi, à l'intérieur de moi, qui se dit que, en fait, enfin, il n'y a rien de significatif dans cette vie. Et c'est contre ça que je lutte tout le temps. Et donc, après la mort de ma grand-mère, c'était pas tragique, elle avait 98 ans, elle habitait seule, avait une mauvaise journée, et puis elle est morte. C'est vraiment pas une mauvaise façon de partir. Et j'étais très ouverte à ce moment-là, j'étais ordonnée récemment, et j'étais encore très ouverte suite à cette expérience, et je me disais, non, c'est pas que je pensais. Il y a une image qui est venue dans mon esprit. L'image, c'était, j'étais dans une pièce sombre, sans fenêtre,
sans porte, sans sortie, sans moyen de sortir. Et j'ai discuté cette image avec les autres. Elles me disaient, oh, c'est peut-être le deuil. C'est une salle de deuil. J'ai dit, non, 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 c'est pas le deuil. Et en fait, c'est ce que ça représente, c'est la pièce dans laquelle je me retrouve quand je vis une vie sans foi. C'est une vie sans foi. C'est une vie nihiliste où il n'y a rien qui a de la signification. C'est ça que représente cette pièce. Donc moi, j'essaie tout le temps à garder pour moi-même et pour les autres une porte ouverte dans cette pièce, pour moi-même et pour d'autres personnes qui se trouvent dans cette pièce. C'est tout ce que j'essaie de faire. Donc ma vie se focalise autour de ce travail de garder ouverte dans cette salle de nihilisme une porte qui s'ouvre vers la foi, qui s'ouvre vers la foi pour moi et pour d'autres personnes qui risquent d'être coincées dans cette pièce. Le sens n'est pas une chose que l'on peut appréhender en regardant dans un dictionnaire. Le sens doit avoir du sens pour vous. Quelque chose dont vous faites directement l'expérience. Notre quête de sens est donc une quête de nous-mêmes. Notre quête de plénitude, la complétude de notre être. Ça va, je vais juste vérifier le volume. Ça va, vous m'entendez? Super. Alors, comment est-ce que nous allons renforcer cette motivation qui commence parfois comme une petite graine? D'abord, éviter la distraction. Si tu te laisses distraire tout le temps, tu vas jamais consolider tes énergies dans la direction qui te nourrit ou que te donne la signification à ta vie. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut faire. Il y a un phénomène qui s'appelle FOMO en anglais. Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Bah bon. Est-ce que vous demandez, essayez d'être vraiment véritable avec vous-même. Quand vous ressentez cette peur de rater quelque chose, vous pouvez demander, est-ce que je suis vraiment intéressé par ça? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à cette fête? Est-ce que j'ai vraiment besoin de voir ce film? Est-ce que j'ai vraiment besoin de découvrir cette personne? Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à une chose, il faut dire non à une autre chose. Donc il faut à chaque fois faire un choix. Le renoncement, c'est suivre l'appel de son cœur. On dit non à une chose parce qu'on essaie vraiment profondément de dire oui à quelque chose d'autre. Une autre chose, c'est vivre une vie qui inclut la méditation. Or que c'est ennuyeux, ça. Étudier le Dharma, super intéressant. Aller régulièrement en retraite, c'est pas mal. Intéressant, mais ça demande beaucoup de méditation. Retraites solitaires. Super significant, c'est de super significant, mais aussi ennuyeux et heureuse. Et développer le contact et la communication régulière avec des amis, surtout des amis spirituels. C'est-à-dire, il faut avoir des rappels constants dans toute notre vie de notre but ultime. Et où est notre intérêt véritable? Est-ce que vous savez où est votre intérêt véritable? Reconnaître dans votre vie votre réponse de foi à tous les moments de jour à jour ordinaire. Et commencer à comprendre qu'est-ce qui est vraiment de signification pour vous. Shantikara parlait de moi en termes de quelqu'un qui déplace les poubelles. Je me suis jetée dans un autre centre de retraite en Europe et quelqu'un a pris une photo de moi en train de faire la vaisselle. J'ai rien ajouté.
Et je me dis, mais pourquoi il fait ça? En fait, je crois que ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, mais la vie spirituelle inclut la vie ordinaire. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait prendre une photo de quelqu'un qu'il a vu comme maître, comme enseignante, qui est en train de faire la vaisselle. On fait les deux. Et c'était un moment de shraddha, de foi, ou quelque chose qui pensait peut-être était exotique, moi, celle qui faisait l'enseignement, qui était là dans la cuisine, dans le quotidien, à faire la vaisselle. Donc c'est important de reconnaître votre réponse de foi dans les moments de tous les jours, et chérir ce moment et laisser cette graine pousser en vous. On a besoin de renforcer notre motivation et construire là-dessus. La vision, c'est pas un moment seul. Il faut qu'on la renforce, on la renforce. Je me souviens d'avoir demandé à une amie qu'est-ce que je devrais faire avec mon expérience après la mort de mon père qui est mort à 56 ans et je m'étais occupée de lui. Elle m'a dit on tirait le plus profit possible. Et la personne qui m'a dit ça est dans l'audience aujourd'hui. Et c'était vraiment utile. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que je fais avec cette expérience de m'occuper de mon père qui est mourant? Il m'a dit, mais il faut en tirer le profit, en tirer le profit. Il faut investir, c'est une expérience où il fallait investir pour en tirer le plus. Donc, investissez vos énergies dans ces moments où les choses sont un peu plus claires, où les priorités sont plus évidentes, où vous êtes en lien avec quelque chose qui répond vraiment des valeurs plus profondes en vous. Investissez-vous dans ces moments. Et maintenant, dites-moi ce que vous choisissez de faire avec votre vie. Et puis l'autre chose, la deuxième chose que Bhante parle dans son contenu, c'est la nécessité pour la croissance. On a besoin de contact. On a besoin de contact avec un gourou plus élevé, quelqu'un de plus élevé, plus élevé que nous. Donc on a besoin d'un gourou. Quelques années de ça, j'ai lu un entretien avec une nonne tibétaine dans un des magazines Triratna. Elle a pris un vœu de célibat. Elle a demandé quel soutien elle cherchait pour la soutenir dans cette pratique de chasteté. Elle a dit la pratique la plus importante, c'était la pratique de méditation qui s'appelle le yoga de guru, guru yoga. Et cette méditation est basée sur une visualisation du fondateur de sa tradition, de son école, de sa lignée. Donc elle développait une relation avec son gourou, avec son maître, le fondateur de sa tradition, au travers d'une méditation. Elle enseignait également le dharma et elle avait ses propres disciples. Mais sa relation avec les autres autour d'elle, c'était distant et pas vraiment significatif. Et je me suis rendu compte que c'est complètement différent par rapport à moi et mon expérience dans Triratna. Moi, mes besoins émotionnels sont nourris par mon contact avec les personnes autour de moi, sur un niveau horizontal, et les personnes plus expérimentées sur un niveau vertical. Et la Sangha est un contexte pour vraiment rencontrer d'autres personnes comme des pères et comme des Kalyanamitra. Des Kalyanamitra étant des personnes qui incarnent les valeurs plus que moi. Et c'est quelque chose de vraiment nourrissant dans mon contact avec la Sangha. Et je ne sais pas si on se rend compte vraiment à quel point cette vision de la Sangha dans Triratna est tellement différente de la vision d'autres mouvements bouddhistes. Pour la plupart d'entre nous, c'est la seule version que nous connaissons et on a grandi avec ça, on s'est habitué. Mais en réalité, il y a une vision très profonde derrière tout cet aspect de notre pratique dans le mouvement. C'est une vision d'amitié, une vision de communication.
Alors, qu'est-ce que cette question de rencontrer un gourou? On peut penser au gourou dans deux façons différentes. Celui qui porte l'archétype, ou sinon un exemple de l'idéal. Alors, celui qui porte l'archétype, c'est un être humain qui est devenu pour certaines personnes un symbole vivant d'une dimension plus élevée de la réalité. Je crois que le Dalai Lama porte cet archétype. Il est encore vivant et c'est un être humain, mais il symbolise quelque chose de beaucoup plus grand. Et pour les Indiens, Dr. Ambedkar remplit le même rôle. Et puis il y a le gourou comme l'exemple de l'idéal. C'est un être humain que nous voyons quand même comme un être humain, mais un être humain qui incarne plus profondément, plus complètement, plus pleinement que moi les idéaux spirituels qui nous inspirent. Et on peut même voir ça dans une amitié ordinaire, comme quand on a une amie ou un ami qui a des qualités que nous admirons et que nous aimerons émuler. Même si l'amitié reste quand même très humain, ces qualités sont présentes. Et dans Triratna, nous focalisons beaucoup plus sur le gourou dans ce deuxième sens, comme un exemple de l'idéal, comme un être humain, et que nous voyons comme un être humain, mais qui incarne des idéaux spirituels plus pleinement que nous-mêmes. Et nous voyons cette personne comme un Kalyana Mitra, quelqu'un qui nous aide à nous mettre en lien avec ce qui est Kalyana, qui est un Kalyana. Et Kalyana, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot très beau, Kalyana. Ça veut dire beau, auspicieux, moralement bien et spirituel. Donc, ça a un lien avec des valeurs plus hautes, des vertus au-delà de l'humain. Il mitra simplement veut dire ami. Donc, un Kalyana Mitra, c'est un ami ou une amie qui nous aide, qui nous tourne vers le beau, vers ce qui est moralement bien. Et un Kalyana Mitra dans ce travail, c'est un exemple, un idéal. Il fait ce travail au travers l'exemplification du chemin. Et c'est quelqu'un pour qui on a vraiment une affection sincère, plus le respect, l'admiration, la réceptivité. S'il y a trop d'idéalisme, trop de projection, il n'y aura pas de communication véritable. Donc il faut aller au-delà de cette projection, au-delà de cette idéalisation et communiquer être humain à être humain. Et la relation se tourne vers cette qualité de Kalyana. Donc, dans cette journée de communication avec un ami spirituel, c'est pas si important que quelqu'un est plus élevé que toi, plus évolué que toi, que vous. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a de la communication véritable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie où il y a vraiment de la communication véritable? Sangharakshita nous demande, dit, généralement, on ne réalise pas quelle quantité de dur labeur est nécessaire, même pour de petits changements. Les vieilles habitudes sont coriaces. Je pense que chaque nouvelle personne a vraiment besoin, mérite même, ce contact et cette communication intense, d'avoir quelqu'un qui travaille vraiment avec eux. Sinon, ils ne changeront pas rapidement. Pas aussi rapidement qu'ils le pourraient. Alors, c'est utile, ça nous aide d'avoir des gens, c'est nécessaire même, d'avoir des gens dans notre vie, de nous aider à travailler sur nous-mêmes, et surtout au début, surtout au début. Donc, au début de notre vie spirituelle, c'est-à-dire les premiers 10 ou 15 ans, Je vous propose ça. Voilà. Ça c'est le début, franchement. Je peux dire que je n'ai jamais oublié certains des moments significatifs de communication que j'ai vécu.
dans les décennies qui m'a amené vers mon ordination. La communication et l'engagement que j'ai reçu pendant ces moments où je grandissais sont vraiment la fondation de ma vie spirituelle. Si je suis là, c'est parce que j'ai été créée au travers de cette communication pendant les premières années de ma vie spirituelle et au travers de toutes les institutions et les contacts que j'ai eus avec les gens pendant Triratna. Dans la communauté Triratna, ce besoin pour un gourou est rempli par des relations de Kalyana Mitra et par la communication authentique. Donc on peut voir la Sangha comme un contexte pour une modification mutuelle d'être, d'existence. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à l'idée d'être modifié. Un beau jour, peut-être, on sent que c'est plutôt bien. Je suis un diamant sauvage qui est raffiné. Peut-être un moment, un jour où c'est difficile, on n'a peut-être pas le même enthousiasme. Sangraksha dit, nous apprenons de ceux qui nous entourent, particulièrement ceux qui ont plus de maturité que nous. Et apprendre est vraiment important si nous voulons faire des progrès dans la vie spirituelle. En fin de compte, la connaissance dont nous aurons besoin est la connaissance de soi. Dans le contexte de l'aller en refuge dans la Sangha, la vraie valeur de la relation profonde entre deux personnes se résume simplement à cela. Le meilleur moyen d'apprendre à se connaître soi est à travers nos relations avec d'autres personnes, en nous confrontant au défi de la communication vraie. On vient à se connaître soi. Alors la Sangha, c'est un contexte pour la communication réelle. Il y a cette belle ligne de la versée de dédication de Triratna, que notre communication avec l'un ou l'autre soit Sangha. J'ai toujours aimé cette ligne. Et la raison pour laquelle je l'aime, c'est parce que ça montre la nature dynamique de la communication. C'est pas comme si... tu vas dans la Sangha et tu parles du bouddhisme. C'est pas comme ça. C'est plutôt que la façon dont vous communiquez, la façon dont vous partagez authentiquement, c'est comme ça que vous devenez partie de la Sangha. La Sangha n'est pas juste un groupe de personnes, c'est un processus de communication. Un processus de communication qui a besoin d'être nourri et développé. Et chacun de nous a une responsabilité à participer à ce développement, à faire que ça aura lieu. La communication effective et l'amitié nous changent d'une façon qui est difficile à anticiper, mais seulement si on le permet de le faire. À ce moment-là, la Sangha devient guru et enseignant. Il y a une modification de notre existence, seulement si on le permet. La connaissance dont nous avons besoin, c'est la connaissance personnelle. Nous connaissons le meilleur moyen d'apprendre à se connaître soi est à travers nos relations avec d'autres personnes. En nous confrontant au défi de la communication vraie, on vient à se connaître soi-même. Donc c'est un chemin très beau, parfois très... il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans cette sphère. Je passe à Jeremy. Il y a plein de facteurs qui nous empêchent d'entrer en communication avec les autres, et d'apprendre avec les autres, par les autres. Et je vais juste mentionner deux gros aspects. L'ignorance et les vues de soi. L'ignorance, c'est pas un manque d'information. Et l'ignorance, c'est un refus obstiné d'accepter quelque chose qui mettra en péril notre identité égotique. Je peux le sentir venir là. L'ignorance résiste le développement de la prise de conscience. Et ça se manifeste comme une résistance, une rigidité. Un manque de réceptivité. Ça se peut se manifester dans les actions où on refuse d'apprendre, et le manque de réceptivité, et le manque de et dans une communauté, c'est très dommageable.
to being modified. Une dureté à être modifiée. Une dureté à être modifiée par la communication. Dans une communauté spirituelle, c'est très troublant. On dit qu'on veut changer, qu'on veut grandir, et ensuite on se tortille, on évite, on s'échappe. Et c'est une situation étrange de tirer et d'avancer. Dans le dictionnaire, l'ignorance veut dire ignorer. Et comme on ignore activement les informations qui arrivent dans notre système, il faut qu'on devienne un système plus ouvert. Si nous sommes un système fermé, l'ignorance se grandit de plus en plus. Une autre façon de bloquer ces relations et c'est la vue de soi, la vue fixe de soi. Notre corps et notre psychologie deviennent un soi fixe, quelque chose de très existentiel et qu'on a besoin de protéger. Yasong Rinpoche qui a dit: ce n'est pas juste le contenu de nos pensées, c'est le continent de nos pensées. C'est ça le problème. Dans d'autres mots, c'est pas ce qui est contenu de notre qui est le problème, mais d'où nous pensons, d'où nous sommes quand nous pensons. Ça vient d'une vue que nous avons de nous-mêmes. Et cette vue a besoin d'être protégée. Elle ne doit pas être mise en doute. Et tout le temps, nous justifions notre point de vue, notre identité, par des explications raisonnées qui servent à en déguiser des vraies raisons. L'impact de ces éthiques, de ces sociétés, c'est que nous, qui viennent de cette vue de soi, créer des filtres et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on perçoit, se fait à partir de ces filtres. Par exemple, on a la vue qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas aimé, qu'on ne peut pas nous aimer. Et on va interpréter toute l'expérience de dans cette vue-là. Quel que soit ce que le monde nous présente, objectivement, on interprète notre expérience à partir du continent de notre expérience, de notre vue de soi. On ne vit pas dans le monde, on vit dans un monde qu'on a créé pour nous-mêmes. Le titre de cette conférence, c'est la charge électrique de la communication. Pourquoi tu l'as appelé de cette façon? Pourquoi tu l'as appelé la charge électrique de la communication? Parce que je suis spécialiste de la publicité. Je pense que tu l'as mentionné une fois, Sadanandi. Je pense que j'ai mentionné existentiel. Hein. En tout cas, c'était bon. Et donc, je vous parle de la charge électrique de la communication en accord avec mon publicitaire. La communication est un terme clé dans la compréhension de la sangha et de l'amitié de Sangha Rinpoche. Cette conférence pourrait être appelée la charge électrique de la sangha ou la charge électrique de l'amitié. Et dans la conférence est un gourou nécessaire, Sangha Rinpoche dit. Le contact entre le gourou et le disciple devrait être existentiel. Il devrait y avoir de la communication réelle entre eux.
pas juste un partage de pensées ou d'idées ou de sentiments et d'expériences, même d'expériences spirituelles, mais une communication d'existence, ou si vous voulez, de l'action et de l'interaction d'existence. Le gourou et le disciple doivent être le plus possible eux-mêmes en relation l'un à l'autre. Le rôle du gourou n'est pas d'enseigner quoi que ce soit au disciple, mais simplement être lui-même en relation au disciple. En tant que disciple, ce n'est pas non plus votre rôle d'apprendre. Vous avez simplement à vous exposer à l'existence et à l'effet de l'existence du gourou, et en même temps, être vous-même en relation à lui. Dans d'autres mots, la responsabilité de l'amitié spirituelle, c'est pas de vous enseigner quoi que ce soit, mais simplement d'être eux-mêmes en relation avec le disciple. Ni pour le disciple, c'est pas son rôle d'apprendre. On a juste nous exposer à l'effet de notre ami spirituel et être authentique en relation avec eux. Et de cette façon, il y aura une vraie communication existentielle, une communication existentielle. Cette communication existentielle amène la croissance et le changement. C'est en fait le changement et la croissance. L'effet de la vraie communication, c'est une charge électrique. Électricité, c'est une métaphore intéressante pour la communication. En fait, je peux penser à deux amies membres de l'ordre féminin qui sont facilitrices en communication, et toutes deux ont été des électriciennes au départ. C'est bizarre, non? J'ai fait une bonne chose, je suis allé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est l'électricité, comment on le fait. Et ça dit... Une forme fondamentale d'énergie observable sous des formes positives et négatives qui se produit naturellement, comme dans un éclair lors d'un orage, ou qui est produite comme par générateur, et qui s'exprime en termes de mouvement et d'interaction d'électrons, un courant électrique ou une puissance électrique. Intéressant, non? Ouais, je vais suivre ma forme parce que j'ai des traductions en cours. Donc, il y a la métaphore de positif et négatif, forme de positif. Négatif. En communication, les deux côtés dirigent la communication et deux personnes, deux éléments reçoivent le courant et reçoivent la communication. La communication dépend de notre volonté de nous exprimer, et de recevoir l'expression des autres. L'électricité est une forme d'énergie qui est expressée en termes de mouvement et d'interaction. Donc, comme je l'ai dit, il devrait y avoir une vraie communication, une communication d'être, d'existence, et si vous voulez, d'action et d'interaction, d'être. Et alors, il y a ces deux façons dont l'électricité peut apparaître, de façon naturelle, comme un éclair, comme une énergie statique, ou générée, produit par un générateur. Et si on applique cette métaphore à la communication, la vraie communication, comme l'électricité, peut apparaître naturellement, spontanément, de conditions de notre vie, qu'une communication chanceuse, un événement qui se passe, à une pause café, dans un train, quelque chose qui peut changer votre vie, juste spontanément. On a besoin d'être des conducteurs de ces moments, de ces vrais moments de communication. Je vais un peu obscrit. Quand j'ai
voyagé de d'ici à Londres récemment. J'étais dans un train et quelque chose s'est passé et j'étais un petit peu en communication avec la personne en face de moi et ensuite on s'est séparés. Et puis quand on était arrivé à Londres sur la plateforme, elle m'a demandé si j'étais OK après l'accident qu'il y a eu. Est-ce que vous vivez à Londres? J'ai dit non. J'ai pris un risque. Je lui ai dit, j'habite dans un centre de retraite bouddhiste. Elle m'a dit, oh, vous habitez à Taraloka? Non, mais de façon intéressante, j'ai vécu là pendant 20 ans. Oh, mais plus maintenant. Elle m'a demandé, oh, où c'est que vous habitez? Oh, à Dishtana. Elle m'a dit, oh, ma maman, il va dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle dont la mère était dans la fille? Et c'est quelqu'un qui est au centre de Birmingham. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît, dites-le moi. Et elle m'a dit, ah, j'ai pu dire qu'il y avait quelque chose, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent avec vous. Il y avait quelque chose de plus profond dans la communication qu'on peut avoir quand on sort de la gare. Donc la communication apparaît naturellement comme un éclair. Et quand j'étais à l'école d'art, à Londres, assez au début, quand je faisais du dessin, deux profs faisaient un peu le tour des différents bureaux et puis donnaient du feedback. Et il y a un des profs qui disait, ouais, ça c'est très bien. Et puis l'autre qui disait, oui, oui. Et puis elle est revenue après, elle a dit, j'aurais pas dû dire que c'est du bon travail en fait. J'aurais dû dire, toute personne qui s'est dessinée comme ça devrait dessiner beaucoup mieux. Très bon feedback. Ce que ça m'a montré dans ce moment-là, c'est qu'une bonne technique peut déguiser une capacité de créativité. À quel point vous avez beaucoup de techniques dans votre vie et pas beaucoup de créativité? Et dans ce moment-là, et les prochains mois qui ont suivi qui ont suivi ce moment, j'ai produit des œuvres qui étaient beaucoup plus chargées, beaucoup plus créatives. Donc cette électricité peut être produite, peut être développée, la communication peut être développée, générée dans un contexte qui permet de générer de la communication, dans un contexte où il y a de la bienveillance, où il y a de la clarté, où il y a un but partagé, une vision partagée. Alors la vraie communication sera générée et maintenue malgré les coupures de courant. Une sangha qui contient une vision pour une vraie amitié et une vraie communication. Et une sangha qui, à son mieux, produit une charge électrique. Et chacun de nous a une responsabilité pour cette chose de se passer. On a besoin de prendre responsabilité pour créer une sangha de cette façon, créer des amitiés, pour générer ce type de communication pour nous-mêmes et pour d'autres. Et en fait, cette communication est existentielle. Elle nous met au défi au plus profond de notre existence. Et ça touche notre nature existentielle. Et ça peut venir comme un choc, parce que notre vieux soi va être mis au défi. Nos habitudes vont être mises au défi, mais ces aspects vont être mis au défi et mourir.
Dans l'interview avec Nagabodhi qui était faite pour, en préparation de ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as passé 24 heures avec Dardo Rinpoche? Et il a dit quelque chose de très simple. Il a dit rencontrer Dardo Rinpoche m'a fait réévaluer comment je vis ma vie. Ça, c'est existentiel. En retraite, il y a longtemps, quand j'ai débuté de mes premières retraites, je connaissais peu de monde. Et je me promenais autour du terrain de Taraloka et j'ai rencontré une membre de l'ordre et je la connaissais pas. Et quand elle est passée, elle m'a dit dedans, dehors, profond, doucement. On fait les choses un peu différemment maintenant. C'était marrant la première fois. Je pense qu'elle a dû faire beaucoup de retraites d'attention sur le souffle. Et on était encore en challenge. Je l'ai recroisée plus tard. Elle n'est pas... Et quand on s'est croisé, elle a encore dit dedans, dehors, profond et doucement. Et quelque chose se passe à ce moment-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas moi. Je suis ni dedans, ni dehors, ni profond, ni lent. Je ne sais pas. Et vous savez, dans les pujas, quand on fait la queue pour faire les offrandes, j'étais là. Je m'aligne, et elle était à côté de moi, et elle le redit encore une fois. Et dans la, elle dit, dedans, dehors, doucement, profondément. Et durant ces 6 jours, très longs 6 jours, et je me suis senti défaite. Quelque chose m'a été réfléchi, en fait, en face de moi, une réflexion. Comme dans un miroir. Quelque chose que je ne savais pas de moi-même. Je me voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre et il me disait quelque chose avait besoin de changer. Et j'ai eu cette pensée. J'ai besoin de plus de choses comme... Ouais, plus de... Input. J'avais besoin d'avoir plus de contact. Que j'avais besoin de vivre en communauté. À ce moment-là, je vivais pas en communauté. J'avais vécu en communauté depuis 1984. Mais j'avais 18 mois où je vivais seul. Et c'est à ce moment-là qu'elle disait, dedans, dehors, profond, doucement. Et du coup, j'ai recontacté une de mes amies proches et qu'on reprenne une vie en communauté et qu'on vive tout seul. C'était une invitation à mon frère, à mon ami de m'aider à changer, de m'aider à devenir que je veux devenir. Est-ce que vous voulez plus d'influence dans votre vie? Est-ce que vous avez demandé cette influence? Je vais juste vous donner quelques points qui vous aident à générer ce niveau de communication. Donc, trouver des amis, développer l'amitié avec les gens de façon naturelle, mais aussi de le générer. Aller en retraite solitaire, aller plus profondément dans votre propre connaissance de vous-même. Aussi surprenant que ça peut sembler, notre connaissance qu'on peut avoir de nous-mêmes en isolement, en solitaire, peut influencer en fait nos communications avec les autres. Clarifier nos vues par la réflexion, tout seul ou avec les autres. Discuter ces vues avec d'autres, discuter ces choses avec d'autres. Prenez des risques dans la communication. Demandez plus de retour.
C'est marrant, dans la puja, en cette partie, on demande, on supplie les Bouddhas de nous donner les enseignements. Et le sutra du cœur apparaît seulement une fois qu'on a fait cette supplication. Soyez plus des individus autonomes. Soyez capables d'être autonomes, authentiques. Prenez responsabilité pour vous-même. Et dans la discussion. Ayez une vision pour la communication. Ayez une vision pour l'amitié. Et ayez une compréhension que nous faisons tous partie du même projet. Et qu'on ne peut pas juste être des consommateurs. Cette communauté n'est pas juste existante qu'on peut consommer. Elle est un processus qui est une interaction et de réaction des gens qui sont dedans. Et jouez votre jeu, jouez votre rôle, faites votre partie de ça. Je vais juste finir par le dernier paragraphe de Bhante. Est-ce qu'un gourou est nécessaire? Je crois que nous avons tous vu à quel point c'est difficile pour l'individu de se développer, même un peu. À quel point ça demande un gros effort, un effort que beaucoup de personnes ne sont pas peut-être prêtes à faire. Mais nous avons vu également que, aussi difficile que soit l'évolution, l'évolution supérieure, elle vaut tout à fait la peine. En fait, nous pouvons dire que cette évolution supérieure de l'individu est plus importante que n'importe quelle autre chose à laquelle un être humain digne de ce nom puisse se vouer. Merci. Merci. Alors, tu connais bien Navadeva parce que c'est quelqu'un qui t'a connecté assez tôt dans ton mouvement. Oui. En fait, j'habitais en Devon et Nandavajra était en Newcastle. Mais on s'est rencontrés en Devon et Nandavajra était le premier membre de l'ordre que j'ai rencontré, qui était de Triratna. Et, il m'a dit pour aller vers l'ordination. Et c'est lui, à cause de lui que j'ai monté l'ordination moi-même. Et c'était une rencontre très spéciale. Tu as reconnu ce que Sadhanandi a parlé, quelque chose dont il a parlé en lien avec Nandavajra? J'adorais ce qu'il a dit, que Kalyana Mitra, c'est un ami qui nous aide à nous tourner vers le beau, vers le bien, le spirituellement bien. Et c'est exactement ça que fait Nandavajra. C'est vraiment un homme super de qui apprendre. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Donc, peut-être tu pourrais dire quelque chose par rapport à comment tu travailles à Future Demand Fund. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous habitez à Newcastle? Comment est-ce que ça fait que vous interagissez ensemble? Oui, c'est une équipe loin des uns des autres. On passe beaucoup de temps en ligne, mais au grand, c'est un groupe d'amis qui travaillent ensemble. Et nous avons désir de ouvrir les bras envers d'autres amis, vers des personnes qui veulent donner à Future Dharma Fund, qui sont généreux. Donc on est éparpillés partout dans le Royaume-Uni. Et il y a des moments quand même où nous venons ensemble, on passe du temps ensemble. Oui, vous avez des retraites d'équipe, c'est ça? Oui, la semaine prochaine, on serait à Adishtana pour une semaine. Et ce serait une occasion d'être ensemble, de travailler ensemble. Donc, on profite des autres cousins dès qu'on en a. Et qu'est-ce que ça fait comme différence de travailler avec des amis et de travailler dans un contexte de la communauté bouddhiste Sri Ratna? Ça fait une différence énorme. J'ai demandé l'ordination en 2019. Ça fait une grande différence pour ma
Et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps et d'énergie dans mon travail. Et en fait, je voulais mettre ce temps et cette énergie dans le mouvement, mettre ailleurs, ouais, quelque part en lien avec mes valeurs. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Future Diamond. Ça a vraiment tout changé pour moi, travailler avec d'autres personnes qui travaillent, de pratiquer, avoir l'occasion de pratiquer ensemble. Et c'était, j'ai reçu ma lettre, une lettre m'invitant à être ordonnée l'année dernière, donc je suis vraiment, donc tout va bien, je serai ordonnée à Palmerloch en juin, et c'est fait partie de cette équipe, c'est partie de et ça. Je pense que Nanda Vajra fait partie de ça aussi, ouais. Oui, c'était très important pour moi. C'est mon boss, c'est mon ami, et il va être mon précepteur privé. Donc, on a entendu parler Pundarika et Nanda Vajra, et ils lèvent pas des fonds, eux, personnellement, mais toi, tu es un leveur de fonds. Vas-y. Mais j'ai un peu peur que je vais vraiment faire mon pire, en fait. Je crois que Nanda Vajra a fait un très, très beau travail, probablement mieux que moi, mais c'est très, très simple, en fait. Future Dharma existe pour assurer que Triratna a les fonds pour faire ce dont on a besoin, et que Nanda Vajra dit qu'on va donner 3 000 euros à tous les projets partout dans le monde, l'équipe d'ordination en Inde, les Winters Publications pour les livres dont on entend parler, le Buddhist Center Online. Mais aussi des petites choses, les sanghas Mexico, Venezuela, Vancouver, ou même ici en Royaume-Uni, on a donné de l'argent à York et à Scarborough pour leur sangha. Et Future Dharma Fund est devenu vraiment un aspect critique de soutien pour ce qu'on fait en Triatna. Aujourd'hui, on essaie de lever 5 000 euros. Je crois qu'on peut facilement le faire. On a à peu près 128 personnes tout à l'heure. Donc, si 100 personnes donnaient 50 euros, on serait là. Donc ça fait 5 690 euros et je sais plus combien de dollars. Donc, si vous donnez 113 euros, ça nous aiderait déjà à le faire. Mais vous pouvez donner aussi peu, aussi beaucoup que vous voulez. Tout ce que vous pouvez, ça va nous aider. On essaie de faire, de lever 5 000. On a fait à peu près 10%. Mais j'espère qu'avant la fin de la journée, on pourrait le faire. Donc, si vous voulez aider des projets de Dharma, et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez apprécié Anandara qui court partout à Adishtana pour introduire des choses, si vous voulez bien nous donner, ce serait vraiment super. Donc on est en train de vous parler à la fin de toute la fin de la journée. C'est une très belle journée aujourd'hui. Et je me réjouis de te revoir plus tard. Donc le lien pour le futur Dharma Fund, il est dans la boîte de chat. Et si vous avez du feedback, du retour, pareil, il y a un lien pour inscrire ça. On sera content d'avoir un peu de retour. Et la prochaine session, c'est dans 1h20. Si vous voulez, vous pouvez rallumer le son et dire au revoir à tout le monde, à tous, et vous pouvez partir quand vous voulez. Bienvenue à la journée Triratna. C'est notre 5e session aujourd'hui. Et on a visité différentes parties d'Adhisthana. La journée s'appelle les racines dans le ciel, racines dans la terre, et on dit le dharma dans les nouveaux espaces, les racines dans la terre, c'est emmener le dharma dans des nouveaux endroits, et Adhisthana c'est un nouvel endroit, en quelque sorte, où c'est une façon où c'est enraciné, c'est là où vivait Bhante. On a été dans sa maison, on a été son monde, il a été enterré,
Dernière session, c'était la bibliothèque. Et maintenant, je suis avec Ratna Dharani. Ce journée est une collaboration entre le BuddhistCenter.com, Adishtana et moi, le futur Dharma Fund. Et cet événement est gratuit, mais on vous encourage à faire une contribution à Future Dharma Fund qui aide le développement du Dharma dans de nouveaux endroits pour toucher le plus de monde possible dans le monde. Si vous pouvez faire une contribution à Future Dharma Fund, ce serait vraiment ça. Donc, la journée aujourd'hui, c'est racine dans le ciel, racine dans le sol. Et le mouvement existe à cet autre niveau que l'on nomme mythique, ou si vous voulez, archétype ou symbolique. Et on est une émanation de cela. S'il existait uniquement sur le plan matériel, il disparaîtrait probablement assez rapidement. Il a besoin d'avoir des racines profondes, des racines dans le ciel pour pouvoir survivre. On doit donc avoir ces racines dans le ciel plutôt que dans la terre. Et quand on parle du mythe de la communauté bouddhiste Triratna, cela signifie qu'elle a des racines dans le ciel. Et on ne peut pas vraiment la comprendre sans cette référence au ciel. Donc, le focus de cette session, ça va être les racines dans le ciel. C'est un texte de Sankara Chitana. Et derrière moi, il y a l'arbre des refuges. Et on va entendre des membres du collège de précepteurs publics. C'est des membres de l'ordre qui ont une responsabilité particulière de former les gens qui rejoignent l'ordre et de diriger les cérémonies d'ordination. Ils sont un point clé de cette communauté. Et je suis ici avec Ratna Dharani, qui est la chaire de ce collège. Et on entendra de la part de trois membres du collège. Cet après-midi, Ratna Dharani est la chaire du collège depuis 2019. Elle en fait partie depuis beaucoup plus longtemps. Et j'ai travaillé avec elle depuis quelques temps et elle est vraiment tranquille. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle travaille très industrieusement et elle prend soin comme elle résonne très fortement avec les principes du Dharma et combien elle porte ces valeurs qu'elle présente parce qu'elle veut que les gens viennent et ce que les gens touchent quand ils demandent l'ordination. Et son lien de coup avec les personnes, avec le Dharma. Merci. Bienvenue, Ratna Dharani. On se tient devant un tableau assez grand. Oui. Mais j'aimerais aussi me réjouir du fait qu'on a un mouvement coordonnateur international et que Nyanadhar a pris ce rôle. J'ai commencé à le connaître lors de la Conseil international et je sais que l'avoir travaillé internationalement pour nous, ça va faire une grande différence pour le mouvement. Et quand on a commencé à parler de cette séance, Nyanadhar m'a dit que le thème était les racines dans le ciel. J'ai pensé tout de suite à l'image de notre arbre de refuge qui se manifeste dans le ciel bleu. En fait, ces racines se trouvent dans un nuage en arc-en-ciel. On ne peut pas le bien voir sur l'écran, mais en bas de l'image, il y a un très, très beau arc-en-ciel. Il y a quelque chose de très mystérieux par rapport à comment cette image émerge.
Et c'est difficile de parler de mythe et de symbole, mais ce mythe ou ce symbole représente notre lignée. C'est le symbole que Bhante Sangharakshita a créé pour mieux décrire qui nous sommes et d'où nous venons, quelles sont nos racines, quelles sont nos influences. Et cette image particulière est une que j'aime énormément. C'est peint d'une façon très douce, qui ajoute à son atmosphère de mystère. C'est un arbre de refuge. Et l'histoire des arbres de refuge, ça vient de la tradition tibétaine. Et Bhante Sangharakshita a été initié à visualiser un arbre de refuge, pas celui-ci, mais un autre. Et je crois qu'il a fait au moins 20 000 prosternations devant l'arbre de refuge qu'il a reçu comme visualisation à Kalimpong. Donc, il aurait été très familier avec une image comme celle-ci et très familier avec une des quatre pratiques. C'est la première des quatre pratiques qui s'appelle les Mula Yoga ou les méditations fondamentales. Et la première de ces pratiques, c'est la pratique de l'aller en refuge et prosternation. Et ce serait fait comme une pratique de préparation. Donc, si quelqu'un voulait pratiquer dans une tradition, classiquement, il ferait au moins 100 000 prosternations à une image imaginée, visualisée de leur lignée. Et ce serait l'entrée dans les pratiques que cette personne va prendre plus tard. Et donc, Sangharakshita a été très familier de cet arbre de refuge. Parfois, ils sont appelés un champ de mérite ou quelque chose comme ça, un champ de refuge. Donc, on a un sens de ce qu'ils sont, ces arbres ou champs. Et quand Sangharakshita a présenté cette pratique à nous, à l'ordre, il y a des années, c'était initialement la pratique qu'il a reçue lui-même. Et à travers les années, à cause de ce que représente l'arbre de refuge, ça représente ceux vers lesquels on va en refuge, les trois refuges, de manifester de différentes manières, différentes formes. Les refuges sont le Bouddha, le Dharma, l'enseignement du Bouddha, et la Sangha, la communauté des gens qui suivent son enseignement. Donc, c'est des images assez complexes. Et quand on a commencé à développer un programme de formation pour l'ordination d'Andre Ratna, Bhante et Subhuti, je crois, ont créé un symbole qui représentait notre propre lignée. Et c'est ce qu'on a ici. Et ça a été modifié une fois, on va entendre ça plus tard, mais une seule fois. Et ça, c'est notre arbre de refuge comme développé par Bhante. Et traditionnellement, le fondateur de lignée serait central dans l'arbre de refuge, mais Bhante a choisi de le créer avec le Bouddha, les trois Bouddhas du passé, du présent et du futur au centre. C'est lui, c'est le Bouddha, le personnage central de notre arbre de refuge. Et ça en dit quelque chose par Bhante Ratna. Ça veut dire que nous enracinons profondément dans la lignée qui vient directement du Bouddha. Nous sommes fidèles au Bouddha et à son enseignement. Et c'est de là où nous évoluons, où nous venons. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en particulier? La première fois que je t'ai vu, en fait, c'est dans un film à Tiratnaloka, qui en faisant les prosternations et la pratique d'aller au refuge. Je suis assez sûr que c'était toi en film. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en particulier? Je pense que c'est juste profondément familier pour moi.
J'étais à Tiranuka pendant 15 ans. C'est là où on forme les femmes pour l'ordination. Et tous les jours, pendant chaque retraite, on va faire la pratique. On visualise cette image et on chante et on se prosterne devant une version visualisée de cette image. C'est complexe. Ça me prend un moment pour. D'abord, on a un sens un peu général. Et petit à petit, on commence à connaître certains personnages en particulier et à certains qui commencent à avoir une résonance par nous, par chacun de nous. Il y a certaines des personnages sur cette image qui ont l'air en particulier pour moi. Mais sinon, on a juste un sens général de l'arbre et qu'on visualise dans d'autres pratiques. Et pour moi, c'est profondément familier. Tu as parlé de beaucoup de choses que je voulais te demander. Donc, c'est à la fois quelque chose qui est très connecté avec la tradition bouddhiste, mais aussi avec notre lien maintenant aussi. Oui, c'est très traditionnel et la façon dont ça a été construit, c'est vraiment, ça rappelle d'autres arbres de refuge, d'autres traditions, mais c'est, ouais, changé pour que ça marche spécifiquement En pour quel nous. sens ça a été un peu modifié, ajusté? Donc notre fondateur, Bhante Sangharakshita, est vraiment devant, là, dans le lotus de devant. Et lui, il est entouré de ses maîtres, les maîtres qui ont eu le plus grand effet, qui l'ont inspiré le plus dans sa propre pratique. Et dans cette image, il tient dans ses mains une kesa, comme si il allait justement ordonner quelqu'un. Donc ça, c'est une chose qui est différente par rapport à d'autres arbres. Et puis l'autre, c'est les maîtres du passé qu'on voit derrière le Bouddha, au-dessus. Et ça, c'est les maîtres du passé qui étaient le plus important pour Bhante dans l'évolution de sa compréhension de l'enseignement du Bouddha. Je ne sais pas si tu vas dire ce qui s'est passé avec cette image. On est dans la salle de méditation de l'arbre de refuge qui a été peint par Chintamani plutôt longtemps. Il est très beau et très subtil. Et devant cette image, tu peux nous dire. Donc cette salle de méditation pour moi, à chaque fois que j'entre dans cette salle, surtout avec cette image-là, je me souviens que c'est là où le corps de Bhante a été placé après sa mort et il est resté là pendant, je crois, 10 jours. Et les gens pouvaient venir s'asseoir avec son corps et en chanter ouais, jour et nuit. C'est vraiment une forte expérience d'avoir le corps de Bhante au pied de l'arbre de refuge et il était à la fois ici, présent, et en même temps, il avait quitté sa forme physique. Et donc, mais il était là dans sa forme archétype, dans l'image de l'arbre de refuge. Et je crois que beaucoup de gens ont eu le sens qu'il avait, un peu comme s'il avait migré plus pleinement sur l'arbre de refuge. Beaucoup de nous ont ressenti ça. Et tu parlais qu'il tenait une kesa. Et une de ses fonctions, c'était d'être un précepteur, en fait. Celui qui ordonnait les gens, surtout au début. Et ce qu'il a partagé avec d'autres. Et trois amis vont parler maintenant. On va entendre parler de trois membres de l'ordre, Parami, Lagapriya, Adichavoli, qui vont parler d'une image particulière, d'un personnage particulier de cet arbre de réfugiés et ce qui leur parle. Et ensuite, on aura une petite pause, et ensuite, on aura l'opportunité de poser des questions au collège de précepteurs. Et vous pouvez mettre vos questions dans le chat.
pour le public, précepteur public. Le premier talk, ce sera un talk avec par Parami. Parami est another very experienced public preceptor. She was ordained in 1980. She's been a public preceptor since 2004, and she's focused on ordaining or helping women in ministry. Je pensais que c'était toi. Bon, Parami est une préceptrice publique qui a fait beaucoup de choses pour introduire commencer les activités en Espagne. Elle a aussi fait la traduction espagnole pour cet événement. Elle a travaillé en Espagne pendant des années et puis en Angleterre pendant des années maintenant. Elle habite à Glasgow, elle est née et elle va parler de Padmasambhava et Avalokiteshvara. Donc, Avalokiteshvara est quelque part par ici et Padmasambhava est au-dessus, au milieu là. On est les anciens et on est passé. Merci beaucoup. Et merci Ratnadharani pour avoir évoqué surtout ce souvenir de Bhante dans cette salle de méditation. Je crois qu'aucun de nous va jamais oublier ce moment-là. Donc, pendant l'ordination, quand on entre à l'ordre bouddhiste Sri Ratna, la plupart des membres de l'ordre prennent ce qu'on appelle une pratique de sadhana. Ça peut être une visualisation, ou peut-être ce serait une autre façon de réfléchir sur un Bouddha, un Bodhisattva. Et quand moi j'ai commencé à pratiquer dans Sri Ratna, c'était les amis de l'ordre bouddhiste occidental à l'époque. Moi j'étais plus touchée par les mantras, par le son, que par les images visuelles. C'était les mantras qui me parlaient, et c'est l'un que j'aimais énormément, c'était celui de Padmasambhava. Et la raison pour laquelle j'aimais Padmasambhava n'avait rien à voir du spirituel, c'était juste l'énergie que le ressentait là-dedans, et les gens chantaient. Donc, les gens chantaient avec beaucoup d'énergie. Om Ma Hum! C'était vraiment un mantra très robuste et d'une façon assez superficielle. J'aimais ça. Ouais, ça m'a touchée. Il y avait d'autres mantras que j'aimais pas beaucoup. Et l'autre, ça, c'était celui de Avalokiteshvara. Donc ceux qui ont été partie du mouvement depuis longtemps, je vois certains visages. Vous vous souvenez peut-être le mantra d'Avalokiteshvara. C'était beau, mais c'était chanté un peu comme très lente, très Om Mani Padme Hum. Et ça ne parlait pas du tout. Parce que moi, je pensais à moi-même comme quelqu'un avec beaucoup d'énergie, et ça, c'était trop long. Et en plus, Avalokiteshvara était blanc, semblait un peu fade, sans intérêt, alors que Padmasambhava était coloré, elle était bleue, rouge et jaune et énergétique. Alors, je faisais l'hypothèse que quand je serais ordonnée, j'allais demander la visualisation de Padmasambhava. Et cela a été renforcé par une conférence que j'ai entendue Sangharakshita donner sur Padmasambhava en 1976. Si vous n'avez pas entendu cette conférence, écoutez-la, c'est vraiment très très bien. Et dans cette conférence, Bhante parle de Padmasambhava comme transformation, énergie pour le bien dans le monde. Ceci dit, avant mon ordination, j'ai fait une retraite solitaire. Et pendant cette retraite, j'avais une expérience très forte de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, le nom d'Avalokiteshvara peut être traduit comme celui qui entend les cris du monde. Et pendant cette retraite, j'avais une expérience auditoire, comme si j'entendais vraiment les cris du monde dans ma méditation, comme si j'entendais les gens qui étaient violés,
de meurtre, de la guerre, de tout. J'entendais tous les cris des gens qui souffraient de la violence dans le monde. C'était très, très viscéral pour moi. Et après ça, j'ai entendu le mantra de Vavalokiteshvara. Je ne sais pas d'où ça venait, mais ce mantra résonnait dans mon expérience. Et j'ai eu une réalisation super forte que d'entendre les cris du monde, c'était la force réelle et vraie, et pas l'image superficielle de la force avec laquelle je suis arrivée dans le mouvement. Alors, quand je suis arrivée à mon ordination, j'ai demandé à Sangraksha, j'ai demandé à Bhante de me donner cette sadhana. Il était très heureux de me donner Avalokiteshvara. D'abord, j'ai dit, je pensais que j'aimerais Padmasambhava. Bhante a dit, oh no, je pense pas. Et quand j'ai dit Avalokiteshvara, elle a dit, ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Alors, je crois qu'il a reconnu les raisons superficielles qui m'a attiré à Padmasambhava. Alors, j'ai pratiqué la pratique d'Avalokiteshvara tous les jours pendant à peu près 20 ans. Je me visualisais moi-même comme le Bodhisattva Avalokiteshvara. Mais Padmasambhava ne m'a jamais quitté. Et j'aimerais penser que ma compréhension de Padmasambhava s'est éclaircie et devenue de plus en plus subtile. Donc, beaucoup d'années plus tard, j'ai demandé à Sangraksha si je pouvais également aussi faire le sadhana de Padmasambhava. Il m'a dit oui. Alors, pendant des années, j'avais les deux pratiques, Avalokiteshvara et Padmasambhava, comme partie de mon paysage spirituel. Et puis, il y a quelques années, je suis allée à Dhanakosha, qui est un centre de retraite en Écosse. Si vous êtes jamais allé à Dhanakosha, allez-y, je vous en prie. C'est un centre de retraite vraiment très beau. Et un loch, c'est-à-dire un lac, à côté de Dhanakosha. Et Dhanakosha, c'est le lac, c'est le nom du lac dans lequel Padmasambhava est né. Et à mon avis, Padmasambhava habite à Dhanakosha. Donc, on était en retraite là-bas et on regardait la souffrance du monde et comment est-ce qu'on peut répondre d'un point de dharma à toute cette souffrance. Je suis allée m'asseoir à côté du lac un jour. Et là, j'étais assise là et il y avait cette image super forte de Padmasambhava qui m'est venue. Je ne sais pas si je l'ai vu vraiment ou si je l'ai eu un sens de lui, mais là, il était vraiment présent là. Et son visage sortait des nuages, et il me dit, je suis ce dont tu as besoin. C'était très fort entendre ça au milieu du paysage écossais. Donc, je suis retournée à la salle de méditation. Alors, est-ce qu'il voulait dire c'est moi, Parami, qui a besoin de lui, ou est-ce qu'il voulait dire que c'est ce que dont tu avais besoin Triratna, parce que à l'époque Triratna était passé par une période assez turbulente, ou est-ce qu'il voulait dire que c'est le monde qui en avait besoin? Et finalement, j'ai décidé que c'est de tous les trois. On a besoin de l'énergie transformatrice de Padmasambhava. La capacité de transformer nos démons, pas nous batailler avec eux, mais transformer leur énergie et l'utiliser pour le bien. Donc, je suis allée juste après ça, je suis allée voir Sangraksha et j'étais toute excitée. Je lui ai parlé de ma vision de Sangraksha, de Padmasambhava. Et j'ai dit, Bhante, j'ai une idée, super une idée, pourquoi on ne prend pas Padmasambhava comme symbole du mouvement? Ben, franchement, c'était un peu arrogant de ma part parce que Bhante nous avait déjà donné le symbole de Avalokiteshvara à 1000 bras. Et moi, j'ai dit, mais peut-être le monde a plus besoin de Padmasambhava. Et Bhante a fait non de la tête, peut-être un peu exaspéré, mais il dit... Il m'a dit, Parami, je vous ai déjà donné tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Il a le mouvement à Padmasambhava. Il a aussi Avalokiteshvara. Il a aussi Amitabha. On a tous les trois personnages venant de la famille Padma. Et puis je dis, bien sûr, c'est vrai.
Il m'a expliqué que ces trois personnages peuvent être pensés comme le doctrine de Trikaya, qui représente le beau déité représenté sur trois niveaux différents. Donc Amitabha, c'est le principe pur de l'amour. On l'appelle le Dharmakaya, le corps du Dharma. Et dans cette forme particulière, c'est l'amour, la metta, la compassion absolue. Et puis Avalokiteshvara, c'est le personnage du Sambhogakaya, c'est un personnage du niveau archétypal ou symbolique. Et lui, c'est la compassion pure. Mais Banti m'a rappelé que Padmasambhava, c'est la même famille, c'est le même amour, mais manifesté dans le monde et qui transforme tous ceux qu'il touche. Et on a besoin de tous les trois. On a besoin d'Amitabha avec son amour, Avalokiteshvara pour la compassion et Padmasambhava pour transformer l'énergie brute et le mettre au service du bien. Donc, je veux terminer par juste exprimer ma gratitude envers Bhante Sangharakshita de nous avoir donné cet arbre de refuge, ces personnages, ces Bouddhas, ces Bodhisattvas de qui on peut tirer de l'inspiration. Et aussi, je suis vraiment reconnaissante qu'on a un moyen de toucher l'amour pur et la capacité d'exprimer compassion et d'autant plus qu'on a vu le monde troublé dans lequel nous vivons, qu'on a Padmasambhava pour transformer notre énergie pour que Triratna soit une force pour le bien dans un monde qui souffre. Merci. Merci, Parami, pour cette exposition très personnelle en fait, de l'interview. Je me suis senti comme si tu étais là, en fait. Sur place, je sentis ta présence très fortement. Merci. Et maintenant, on va entendre parler de Nagapriya. Nagapriya a été ordonné en 92. Il est membre du collège qui se focalise surtout sur l'Amérique latine. Il vivait originellement en Angleterre, mais vit au Mexique depuis une dizaine d'années. Il aurait pu être dans la section précédente sur les pionniers. Il a fondé le centre de Cuernavaca à Mexico. Et il a un grand impact sur l'Amérique latine. Et en plus, il écrit des livres. Son dernier, c'était la promesse d'un monde sacré. Dont le sujet est Shinran, et il va nous parler de Shinran. Et Shinran qui est sur l'arbre. À toi, Nagapriya. Je voulais commencer par un passage de Shinran qui donne le contexte. La lumière de la compassion qui nous saisit, nous illumine et nous protège toujours. Et l'obscurité de notre ignorance est déjà scindée. Encore les nuages et les brumes de l'avidité, du désir, de la colère et de la haine couvrent toujours le ciel du véritable et réel Shinjin. Toute approche de la vision de Shinran demande de la patience et de la charité. Ça demande de la réceptivité, une attention humble. À la surface, ça peut sembler contradictoire et contre-intuitif. Pour ces raisons, on peut facilement les considérer comme superficielles ou complètement faux d'ailleurs, et on pourrait, si on rejette son enseignement sur ses valeurs, on rate quelque chose d'important dans le potentiel de transformation. Ça parle beaucoup de mystère et d'utiliser le mystère qui pointe vers quelque chose, et c'est pas d'utiliser le langage trop littéralement. Quand je pense à Shinran, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup.
qui c'était quelqu'un de tendre, en fait, qui a sa sensibilité et ses limitations, et qui révèle ses difficultés et puis ses limites aussi. Dans son histoire, on a un sens qu'il était de ce qu'il essaie de vivre la vie du Dharma, le mieux qu'il a pu. Aussi imparfait que ce soit, je peux avoir une connexion avec ça. Il est le fondateur de Shodo Shinzu, une secte du bouddhisme, et qui se concerne à la terre pure, qui se focalise sur le Bouddha Amitabha. On peut trouver le texte de Shrapada et Ratnaguna dans ces textes. La pratique Shin, ou vivre, priorise l'invocation d'Amitabha, le Bouddha, qu'on appelle Nembutsu, Namu Amida Butsu. Shinran a vécu au Japon de 1173 à 1273, et c'était donc un vrai contemporain de Saint François de Assise. Shinran, il a vécu dans la période Kamakura au Japon, qui est une période qui était assez perturbée, avec beaucoup de difficultés, de guerres, de famines et de tremblements de terre. Mais c'est aussi une période de créative au niveau religieux. Je vais vous parler brièvement de la terre pure et le mythe d'Amitabha, qui est le centre de la perspective Shinran. Je peux pas voir toute l'histoire d'Amitabha ou son chemin vers l'éveil, mais c'est important de noter que Shinran focalise sur une série de 48 beaux vœux d'Amitabha, mais dans la terre pure. Dans la pratique du Bodhisattva, il aspire à atteindre l'éveil pour le bénéfice de tous les êtres, et ça prend la forme d'un vœu. Et Amitabha s'engage donc à créer un monde où l'éveil spirituel un monde idéal pour l'éveil spirituel, et c'est la terre pure. Son vœu donc l'un des vœux des 18 d'Amitabha est considéré spécialement important par Shinran, et ça a été considéré le vœu principal. C'est le vœu, et ça consiste que les êtres inspirent sincèrement à renaître dans la terre pure d'Amitabha, vont renaître là-bas. Cette aspiration se matérialise par la récitation du mantra qu'on peut dire d'Amitabha, le Nembutsu. En disant son nom, ça manifeste cette aspiration. Mais pour Shinran, le Nembutsu n'est pas une pratique personnelle, mais c'est quelque chose qui manifeste, qui est donné par le Bouddha. Et récité de... Réciter le Nembutsu articulé Shinjin. Shinjin, ça décrit qu'on confirme qu'on va renaître dans la terre pure, et même ça confirme qu'on est dans une terre de Bouddha, qu'on est lié avec le principe d'éveil, mais qu'on est aussi conscient de nos limitations, de nos actions malhabiles, de nos manque de compassion pour les autres et notre référence à nous-mêmes. Et Shinjin, c'est une forme d'ouverture, de lâcher prise. C'est un horizon de sens, en quelque sorte.
Et ça fait référence à être en relation avec soi-même, avec ses limites, et aussi le sacré, la destinée, et être en relation avec le transcendant, et spécialement symbolisé par Amitabha. On peut faire un lien avec ce que Bhante appelait les dimensions d'aller en refuge, et ça dans l'aspect d'assurance, de confiance, et d'humilité, de gratitude. Shinjin est une dimension d'aller en refuge où on appelle l'origine et notre impulsion à aller vers refuge. Et Shinran fait de l'emphase sur le pouvoir autre pour atteindre l'éveil, pour la transcendance qui nous parle à nous. Et en quelque sorte, il dit le Bouddha, Amitabha, va en refuge à travers nous. Dans le mot de mon livre, c'est une sorte de résonance, sensibilité, réponse à tout ce qui est ultime. Dans le développement de Shinjin, la renaissance dans une terre pure est assurée. On s'ouvre à la dimension sacrée dans laquelle nos vies se développent, et on est constamment renouvelé par cela. Shinran était super sensible à aux limites de sa compréhension, son faillibilité éthique et son manque de responsabilité. Il est stressé que nous sommes faillibles, nous faisons toujours des bêtises, et en même temps, nous avons on voit cette limitation, et on a quelque chose en nous qui est plus grand que cela. Comme Sangharakshita, Shinran s'est sorti de l'institution dans laquelle tradition dans laquelle il s'est formé. Il se considérait ni moine, ni laïque. Et encore comme Sangharakshita, Shinran était inspiré à établir un schéma de pratique qui était pertinent à son époque et qui pourrait être suivi par n'importe qui et pas juste par l'élite. Finalement, les deux étaient traducteurs, cherchant à rendre le dharma accessible à leur contexte respectif, historique et culturel. Je veux terminer par lire un hymne de Shinran. La lumière de la sagesse dépasse toute mesure, et chaque être vivant fini reçoit cette illumination qui est comme l'aurore. Alors prenez refuge en Amitabha, véritable et réelle lumière. Wow. Merci Nagapriya pour cette évocation très très belle, et c'est très approprié, je crois, entendre ça vis-à-vis de notre thème de racines dans le ciel. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de quelque chose au-delà de nous, mais en même temps résonne avec quelque chose à l'intérieur de nous. Donc merci beaucoup. C'était réfléchi, dense, communication très très riche. Merci pour évoquer ce que Shinran a à nous offrir dans cette époque particulière. Merci beaucoup. Et si vous voulez découvrir plus par rapport à Shinran, comme je viens de dire, Nagapi a publié un livre, et on mettrait un lien dans le chat pour que vous puissiez découvrir le livre et aller le lire si vous voulez. Donc maintenant, on va aller à Inde. Et une grande partie de notre mouvement se trouve, et on va entendre de Aditya Bodhi, qui habite à Pune, en Maharashtra,
Il est ordonné en 1985. Il a été président du centre. Il a été mitra, convenor mitra de Puttuland et précepteur privé depuis 2003 et précepteur public depuis 2015. Et depuis qu'il est devenu précepteur public, il a ordonné publiquement 70 hommes. Donc, et je crois qu'il a une pratique, il pratique de façon très régulière la pratique de prosternation lui-même. Et lui va nous parler de Dr. Ambedkar et Eugen Sangharakshita. Dr. Ambedkar est ici sur l'arbre et Sangharakshita est là au milieu, devant. Et donc, je passe le micro à Aditya Bodhi. You need to unmute Aditya Bodhi. Yeah. Okay, coming. Okay now. Okay. Okay. Can you hear me? Vous m'entendez maintenant? We can hear you, yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oui, oui, on va en t'entendre. Thank you so much, Nyanadhara. Merci beaucoup, Nyanadhara, de me donner cette occasion de parler de Dr. Babsebh Ambedkar. Je suis vraiment heureux de voir l'arbre de refuge à Adishtana parce que j'ai un souvenir quand j'étais un ordre membre. Tous les matins récemment, j'étais là et à 5 heures, je faisais la pratique devant l'arbre de refuge. Donc, je suis vraiment contente de revoir cet arbre parce que ça m'a fait beaucoup de plaisir faire cette pratique devant cette image. Aujourd'hui, je vais parler de Dr. Babsebh Ambedkar. Un petit peu de background. Donc, au début, quand l'arbre de refuge était créé pour l'ordre, Dr. Ambedkar et Anagarika Dharmapala n'étaient pas là sur l'arbre de refuge. Ils étaient ajoutés plus tard. Et quand j'étais ordonné en 1985, je faisais les prosternations. Mais moi, comme beaucoup d'Indiens, nous ne sentions pas vraiment reliés à cet arbre parce que Dr. Ambedkar n'était pas là. Et nous avons vraiment un sentiment très fort que Dr. Ambedkar devrait être là. Donc, on a demandé à Bhante, de lui mettre pourquoi il n'est pas là. Et Bhante a dit, c'est une bonne suggestion, je vais réfléchir. Et donc, quand les membres de l'ordre insistaient, donc ils demandaient aux membres de l'ordre où on devrait mettre Dr. Ambedkar. Et après plusieurs temps, un peu de temps à réfléchir, à faire la pratique, j'ai dit à Bhante, c'est là où il faudrait mettre Dr. Ambedkar. Et cette pratique est vraiment très très puissante, très vivante. Et finalement, après on a pratiqué, Bhante a décidé que au lieu de juste mettre un personnage, celui de Dr. Ambedkar, il pensait que ce serait bien de mettre Dharmapala aussi. Donc il a mis les deux côtés, juste l'un chaque côté. Et ma connexion très forte avec ces trois personnages. C'est les bodhisattvas d'aujourd'hui, nos bodhisattvas modernes, Sangharakshita, Ambedkar et Dharmapala. Et donc Babasab, donc Ambedkar avait un lien fort avec Bhante et je vais en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je veux juste parler un petit peu de mon propre lien avec Ambedkar et avec Sangharakshita, qui est un peu mythique. Quand j'avais 8 ans, quand j'étais un petit bébé de 8 mois, ma mère m'a amené vers Dr. Ambedkar pour qu'il me donne une bénédiction. Et Dr. Ambedkar a pris dans ses bras et m'a donné une bénédiction.
Donc, je suis très reconnaissante que j'ai eu cette bénédiction de sa main. Et puis, plus tard, quand j'avais 10 ans, j'ai rencontré Bhante en 1964, avant qu'il ne quitte l'Inde. Et je l'ai vu dans une cérémonie de mariage. Et moi, je me souviens que je sentais vraiment qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il était différent de la foule. Il était complètement présent, conscient. Il parlait avec beaucoup d'attention. Il m'a vraiment impressionnée. Et c'était longtemps, des années et des années avant que je le revoie lors de mon ordination, en 1980. Et mais à ce moment-là, je me suis pas rendu compte que c'était le même homme. Mais plus tard, en 1985, quand je l'ai rencontré personnellement et j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que c'était cette même personne que j'avais vue quand j'avais 8 ans, 10 ans. Donc voilà, c'est mon lien un peu mystérieux avec ces deux maîtres. Et je veux parler du lien entre Bhante et Dr. Ambedkar. Comme vous savez peut-être déjà qu'il y a un livre que Bhante a écrit sur Dr. Ambedkar et son religion. Et il y a un chapitre où il parle de sa rencontre avec Dr. Ambedkar. La première rencontre entre les deux, c'était 1952, et c'était juste, ils se présentaient mutuellement. Et une deuxième rencontre a eu lieu 2 ans après. Et là, ils avaient des discussions profondes par rapport à la conversion au bouddhisme. Ils discutaient le bouddhisme et cette rencontre était vraiment très amicale. Et Bhante a demandé à Dr. Ambedkar, est-ce que tu... Donc, Dr. Ambedkar a demandé à Bhante de prendre refuge avec lui. Il a dit, non, ce serait mieux que vous preniez un moine plus senior. Donc, il a présenté Utitila. Et donc, en 1956, il y a une conversion de masse en Wado avec... et à ce moment-là, Dr. Ambedkar était tellement fatigué, il pouvait pas parler. Et à ce moment-là, Bhante avait le sens qu'Ambedkar lui passait la responsabilité parce qu'il disait d'une voix très, très fatiguée, je ne peux plus faire, je suis tellement fatiguée, je ne peux plus faire. Et à ce moment-là, Sangharakshita a décidé, Bhante a décidé qu'il allait aider le nouveau mouvement que Ambedkar commençait. Donc, cette dernière rencontre, c'était peut-être pas si important pour lui que c'était très, très important pour moi. C'était très, très important pour la révolution que Ambedkar a commencé. Et donc, Bhante est parti en 1964. Il dit, il a promis aux Indiens, moi, je retourne à mon propre pays. Mais je vais donner mon attention à l'œuvre de Dr. Ambedkar. Et il a promis d'aider la révolution qu'avait commencé Dr. Ambedkar. Et de temps en temps, il retournait en Inde pour nous soutenir, pour nous aider avec la révolution qu'on avait commencé, qu'on faisait. Donc, ils partageaient leur vue, ils partageaient leur compréhension profonde. Et donc, juste pour dire comment Bhante est arrivé à connaître Ambedkar, en 1950, il travaillait au Buddhist Society, et Ambedkar avait écrit un article pour le magazine qui s'appelait « Le Bouddha et le futur de son religion ».
Et c'était pour le Mahabodhi Journal. Et Banti était l'éditeur de celui-là. Il a décidé, il était impressionné par l'article et a décidé de rencontrer Ambedkar. Et mon opinion personnelle, c'est que c'était deux bodhisattvas qui se rencontraient à ce moment. C'est deux bodhisattvas qui se rencontraient, qui sont, travaillent ensemble pour travailler un nouveau mouvement. Un mouvement, et qu'est-ce que ça devrait être, ce nouveau mouvement? Ambedkar avait écrit dans l'article, il a mentionné trois choses. Il a dit qu'on a besoin d'une Bible bouddhiste ou un texte bouddhiste. Et c'était créé par Dr. Ambedkar et puis après les morts. La deuxième chose qu'il disait, on a un nouveau sorte de moine. Et en fait, Banti a donné ça au travers notre ordination de Dharmachari, Dharmacharini. Et puis Ambedkar a dit aussi, on a besoin d'un ordre bouddhiste international. Et ça, c'est quelque chose aussi que Banti a créé. Donc, je crois que la pensée de Baba Azeb et la vision de Banti était pareille. Parce que un bodhisattva peut comprendre l'autre et comprendre les vues et les visions de l'autre. Et ma perception, c'est que après la mort de Baba Azeb Ambedkar, c'était noir en Inde. Il y avait de l'obscurité en Inde. Mais Sangraksha a rapporté la lumière. Et donc, j'ai l'énorme respect pour les deux hommes parce que les deux personnes sont vraiment très, très importantes pour moi et très, très importantes pour notre mouvement bouddhiste. De cette manière, je dois dire que Mantia Sangraksha a dit que j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Baba Hasambad. Il a vu que transformation est possible. Et oui, au travers de son rencontre avec bouddhisme, avec Baba Azeb Ambedkar, Sangraksha a vu que la transformation est possible non seulement pour l'individu, mais la société. Et c'est pas non seulement important pour l'Inde, cette transformation de la société, mais partout dans le monde. Et je crois qu'on a besoin de respecter ces deux hommes partout dans le monde. Et je respecte les deux comme des grands maîtres. Et je suis vraiment très fière de faire partie de cette sangha. Et merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Merci à Chichi Boulier d'avoir évoqué ces deux personnages aussi forts, en fait, Dr. Ambedkar et Sangharakshita, que vous, pour vous personnellement et aussi pour tout l'ordre et pour tout le. C'est passé très fort, en fait, comme ça a été communiqué de façon très forte. Merci de ton expérience personnelle d'avoir rencontré ces deux personnes quand tu étais très jeune. C'est formidable d'entendre ça, ces deux rencontres que tu as faites quand tu étais un enfant et avec Sangharakshita. Merci encore pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont parlé cet après-midi. Et de parler de vos connexions avec l'arbre de refuge. La première question pour Parami. Est-ce que tu peux dire quelque chose de Vajrasattva qui est au sommet de l'arbre du refuge et sa relation avec Banti, si vous pouvez? Non. Je ne sais pas si je peux dire grand-chose. Vajrasattva est la petite image blanche juste en haut et que Ratna Dharani essaie de pointer là, tout en haut. C'est un peu grand, c'est un peu haut. Il est parfois appelé un Adi Bouddha. C'est une forme, un personnage archétypal qui représente la purification. Et ma compréhension, c'est qu'il est en haut de l'arbre de refuge.
Parce que sa purification descend à travers tous les niveaux de l'arbre de refuge, tous les personnages jusqu'à nous. En étant purifié. Et Sangharakshita avait une connexion particulière avec Vajrasattva. Il y avait une petite histoire où il a vu Vajrasattva comme Vajrasattva qui sort d'un animal trou dans domestique. le Et, ah non, dans le pit, d'un trou, d'une fosse. Sortir d'une fosse. Il avait un sens très fort pour Vajrasattva. Et beaucoup de gens prennent Vajrasattva comme sadhana, de sujet de réflexion. Je ne pense pas que je peux en dire plus sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je peux vous parler de ma propre histoire sur cette. Quand j'ai été ordonné en 1985, je faisais la sadhana de Shakyamuni et en 2001, j'ai essayé j'ai demandé la pratique de 2000 de Vajrasattva. Mais pourquoi tu désires faire cette sadhana? Il m'a demandé, il m'a dit, ah, c'est très bien que tu choisisses cette pratique. À cette époque, je fais régulièrement la prosternation, où Shakyamuni est au centre. Et Vajrasattva était au-dessus, donc ça faisait une connexion un lien entre les deux. Et Sangharakshita disait, ah oui, c'est bien, donc il m'a donné cette sadhana. C'est génial d'entendre toutes ces histoires et de pouvoir les passer. Une autre question. Alors, j'ai une autre question maintenant pour Nagapriya. Qu'est-ce qui est le mystère clé de l'enseignement de Samrachet pour répandre le bouddhisme dans le monde, et surtout dans l'Occident? Oui, j'ai compris ça et c'est une grande question et je pense que d'autres personnes pourraient y répondre. Parami, par exemple, moi, ce que je dirais que c'est pas vraiment une question des enseignements eux-mêmes, mais plutôt notre confiance dans ces enseignements et notre capacité et désir de les partager. C'est ça la clé pour que notre approche du dharma s'étende dans le monde. La clé, c'est que nous soyons prêts à le partager et que nous ayons la confiance que notre approche marche, que c'est pertinent, et que nous ayons la dédicace, l'effort, le désir de mettre l'énergie pour être là, pour présenter le dharma, pour l'offrir au monde. Et l'autre chose que je mentionnerai, c'est les ressources. On a besoin de ressources, des livres, de l'écriture, des conférences et surtout de l'argent. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel à atteindre plus de monde, on a plus besoin de plus de membres de l'ordre et plus de ressources pour faire cela. Et pour moi, c'est ça la clé. Super, excellent, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose? Oui, moi, parmi, j'aimerais me dire quelque chose qui me frappe. Si je pense à partager le dharma dans différentes cultures, c'est qu'il faut être ouvert, et je crois qu'en général, Triratna est comme ça, il faut être très, très clair sur quels sont les enseignements centraux, fondamentaux qu'on essaie d'apporter, plus une ouverture, une souplesse pour apprendre la culture dans laquelle on essaie d'apporter le dharma. Donc, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse de l'égalité où on apporte le dharma pour tout le monde et aussi la sagesse de discriminative où on voit qu'est-ce qui est approprié pour chaque situation. Par exemple, je pense qu'enseigner le dharma en Brésil serait très différent que d'enseigner le dharma en Australie. Il y aura des choses en commun et aussi des choses différentes qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut avoir une clarté sur qu'est-ce qu'on peut changer et que
qu'est-ce qu'on ne doit pas changer, qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est vraiment magique quand quelque chose, quand ces choses viennent ensemble. C'est une bonne question, merci. Allô, Thibaudi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Aditya Bodhi dit, oui, oui, en Inde, il y a aussi beaucoup de potentiel. Et Bhantia nous a donné beaucoup, beaucoup de clarté sur ce que c'est le Dharma. Et c'est très, très important. Et des gens qu'auparavant, peut-être on n'a pas super toujours apprécié notre mouvement, l'importance de notre mouvement. Mais maintenant, la situation est en train de changer. Et les gens sont de plus en plus dans l'appréciation, de la compréhension de ce que nous faisons avec notre mouvement. Et je crois que c'est ça, c'est important aussi pour que le bouddhisme s'étende en Inde. Merci beaucoup pour cela. Et n'hésite pas à continuer à écrire vos questions. C'est une occasion importante, n'hésitez pas. Donc, on a une autre question. Donc, j'ai une autre question pour Parami. Très beau. Et des questions intéressantes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus comment ta compréhension de Padmasambhava a changé avec le temps? Est-ce que c'est plus de méditation ou plus l'approfondissement de la pratique générale. Merci Carole, c'est vraiment un peu les deux, la méditation et la pratique, qui les deux. Donc je lis plus clairement et j'ai avec la méditation, j'ai plus mes idées préconçues qui filtrent autant mes choses. Et je comprends mieux ce que c'est la vie spirituelle, la vie dharmique, et ça influence aussi comment je fais. Et puis il y a aussi quelque chose de mystérieux, et cette ouverture à quelque chose de mystérieux qui me change moi aussi. C'est quelque chose d'autre qui me transforme. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, mais voilà comment je peux les répondre. Alors maintenant, une pour Radha Dharani. Quel conseil avez-vous pour nous qui n'avons pas eu l'occasion de rencontrer Sangharakshita? J'écoute ces conférences, mais il me semble, en vous écoutant tous, que le lien, le contact 1-1 avec lui, c'était très important pour vous. Moi, je l'ai pas rencontré si souvent que ça. Je l'ai connu, bien évidemment, pendant des décennies. Je lui écrivais régulièrement et parfois j'ai reçu une carte postale. Je crois que je l'ai rencontré personnellement peut-être 6 fois. Il m'a aidé énormément pour ma pratique de méditation. Mais c'est intéressant parce que mon impression est que ceux qui l'ont pas rencontré parfois développe quand même une réponse très très forte envers lui. C'est comme s'il est si grand que c'est difficile d'avoir un sens de vraiment le voir de proche en fait. Je pense que ça va peut-être prendre une centaine d'années avant que nous comprenions vraiment tout ce que son importance, tout ce qu'il peut apporter pour nous. Donc d'une certaine manière, pour vous qui arrivez plus tard, vous avez un certain avantage. Vous le voyez avec plus de perspective, vous le voyez plus pleinement peut-être. Je me souviens d'une personne qui lui a demandé, je crois que c'est une femme, je crois qu'elle lui demandait comment elle pouvait développer son lien avec lui. Et lui, il a répondu en disant, c'était probablement le moment où les vidéos commençaient à être populaires, il dit, mais regardez mes vidéos, si vous pouvez pas regarder des vidéos, écoutez des conférences, si vous pas écoutez des conférences, lisez mes livres. Mais il y avait vraiment un sens que c'est vrai qu'il écrit autant et il a fait mis beaucoup d'accent sur le fait que ses enseignements soient écrits, soient
enregistré, c'était parce que il savait c'était comme ça que il allait atteindre les gens dans l'avenir. Mais aussi, on a un sens beaucoup plus fort de quelqu'un en l'écoutant ou le regardant live, en personne, le plus possible. Il avait, par exemple, un sens d'humour qui se présente pas forcément dans ses livres. Mais si vous regardez ses vidéos, on a vraiment un sens de lui. Je crois que la plupart de mon sens de lui, en fait, ça vient d'écouter ses conférences. C'est ce qu'on faisait au début du mouvement. On essayait de ne pas s'endormir l'après-midi de la retraite où on écoutait ses conférences enregistrées. Et j'ai l'impression que c'est dans mes os. Je l'ai imbibé pendant des décennies en écoutant toutes ces lectures, ces conférences. Je sais qu'il y a des gens qui le font dans leur voiture, en allant au boulot, dans le bain avec des bougies ou si vous êtes fait attention, voilà. Si vous voulez avoir un sens de lui, vraiment écoutez-le, regardez-le, les vidéos. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui, Nagapriya. Oui, merci, Nadarni. C'est super ce que tu as dit. J'aimerais juste partager aussi que c'est très, très clair à moi que ma relation avec Bhante s'est approfondie de façon très significative depuis qu'il est mort. Donc, c'est vraiment pas juste une question d'être présent avec lui. Et c'est vrai, d'une certaine manière, si on est trop proche, c'est difficile vraiment de l'apprécier dans toute sa grandeur. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Mais aussi, ces écritures autobiographiques, ces autobiographies sont une très, très bonne façon de le connaître. Et je recommande particulièrement le petit livret qui s'appelle « The History of My Going for Refuge », l'histoire de mon aller en refuge. Là, on voit vraiment comment sa pratique évolue. Et puis, ces écritures « Facing Mount Kanchenjunga », par exemple, ça raconte sa vie en Inde. Un jeune Sangharakshita, tout ce qu'il fait à Kalimpong. On a vraiment un sens très, très vivant de lui comme un être humain qui vit une vie de dharma. Donc, je recommande cela. Une question pour toi, Nagapriya. J'ai été très intéressé dans Shinran et je n'ai pas encore vu votre livre pour l'instant. Est-ce que vous pouvez partager un peu plus? J'entends et j'accepte votre confession. La meilleure chose que je peux dire, c'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me touche par rapport à Shinran, de sa vision. Et ce qui me touche, c'est son ouverture. De quelque chose qui est au-delà de moi-même, de mon moi ordinaire, qu'on peut décrire comme Bodhicitta ou comme le Bouddha, cette possibilité d'être influencé, informé par quelque chose de cette perspective-là, par quelque chose. Et ça me semble central dans la vie bouddhiste, et c'est en tout cas central pour moi. Et une autre chose que je peux mentionner, c'est que Shinran a une façon très sophistiquée de lire la conscience humaine, la nature de la conscience humaine, et qui peut à la fois contenir à la fois ce qui est transcendantal, ce qui est l'éveil, et en même temps reconnaître nos fautes, nos problèmes éthiques, nos limitations, de toutes sortes de façons. Il y a quelque chose de très engageant dans cette réflexion d'être un être limité et dont l'intuition touche quelque chose qui n'a pas de limite et qui est l'éveil.
On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Excellent, merci. Donc, on a une dernière question. Ce n'est pas dirigé à quelqu'un d'autre particulier. On va voir qui veut répondre. C'est pour tout le monde, pour toutes les quatre. Sur la base de la réponse de Parami à une autre question, est-ce que nous pensons que les 6 accents que Bhante a donné à Sri Ratna a une clé significative pour rendre le dharma accessible à différentes cultures et dans différents moments et différentes situations? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Oui, Parami. Je suis sûre que vous vous rappelez tout de suite les 6 accents, mais juste au cas où quelqu'un momentanément les a oubliés, je les ai mis dans le chat. Et merci Angela, je crois que c'est une très bonne question. C'est vraiment une bonne façon, c'est vrai. Donc le premier, c'est un écuménisme critique. Donc, Bhante prend de différents aspects de différentes écoles de bouddhisme, voit à quel point ils sont très pertinents à nous et aussi les lie toujours à l'enseignement fondamental du Bouddha. La centralité de l'alliance refuge, l'idée que ce qui est important, c'est pas combien, si tu te rases les crânes ou tu portes des robes, c'est ce qui est important, c'est la profondeur de ton aller-refuge aux 3 joyaux, l'importance de l'amitié, un ordre unifié, l'importance du travail qu'on pratique et l'importance des arts. Il a ajouté plus tard que les sciences sont importantes aussi, mais il n'avait pas vraiment beaucoup de sens de ça, c'était pas important pour lui. Mais et si on pense à ces choses, sont très claires, et ce sont aussi des choses qui ont une base qu'on ne changerait pas, mais qui pourraient s'exprimer différemment dans différentes cultures. J'avais pas pensé à ça, mais je commence à sentir peut-être une conférence qui évolue à l'intérieur de moi. Donc, merci Angela. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non. Ok, pas très bien. Donc, juste avant de partir, je veux remercier encore les 4 personnes, Ratna Dharani, Aditya Bodhi, Parami, Nagapriya. Ça me semblait étrangement intime. J'espère que vous l'avez senti ça aussi chez vous. Mais c'était vraiment très riche d'entendre vos perspectives sur l'arbre de refuge. Et merci beaucoup d'être donné de vous-même de façon si généreuse. Vraiment, j'ai senti que vous vous êtes donné. Merci. Donc, on va juste terminer en entendant un peu de Nandavajra. Donc, si on peut mettre Nandavajra, le voilà. Nandavajra, on a entendu un petit peu de Future Dharma Fund pendant la journée. Et Nandavajra, c'est le directeur de Future Dharma Fund. Et lui, il voulait parler de comment Nandavajra voulait parler de comment il soutient notre travail en Inde. Merci Nyanadara. Oui. Au début de cette session, le Future Dharma Fund amène des ressources aux nouvelles situations, les racines dans le sol, mais aussi les racines dans le ciel, apprendre les gens, permettre aux gens d'approfondir leur pratique, leur processus d'ordination. Nous aidons, on soutient l'équipe d'ordination en Inde. J'ai un peu de contact avec les gens de l'équipe d'ordination. Et quand j'entends parler de leur vie, ma vie à moi, elle est si simple, si légère, une simple brise, tout flotte facilement. En fait, les conditions dans lesquelles ils sont sont de prendre
contact avec les gens, des centaines de personnes, et c'est pas toujours drôle. C'est pas tout. Et dans l'équipe d'ordination, ils sont 26, 6 femmes et 20 hommes, et ils travaillent très dur, très dur. Ils font beaucoup d'autres choses que d'être juste membre de l'équipe d'ordination. Future Dharma, en parallèle avec l'Indian Dharma Trust, on participe à financer cette équipe d'ordination. Nous, 65% de cette équipe d'ordination, le financement de cette équipe d'ordination, et aussi, ils font leur partie aussi de l'India Dharma Trust, qui est maintenant nous dirigeons aussi Indian Dharma Trust. Cette année, par exemple, on va envoyer 90 lakhs roupies, ce qui est 90 000 livres ou 101 000 euros. Ça, c'est ce que nous envoyons en Inde cette année. Donc, c'est un gros engagement, mais ça fait une très grosse différence. Ça, c'est ça fait partie de notre budget pour soutenir des projets partout dans le monde. Et notre budget habituel, c'est environ 300 000 livres. Et on est très content de soutenir cette équipe d'ordination et ce qu'ils font là-bas. Est-ce qu'il y a une demande particulière pour les gens? Oui, certainement. Oui. Oui. On va essayer. Nous, on essaie de lever 5 000 livres aujourd'hui. Et on peut le voir comme soutenir l'équipe d'ordination. En Inde. On a encore du chemin à faire pour atteindre cet objectif aujourd'hui. On demande aux gens de réfléchir et de penser à donner 100 livres ou 115 euros ou 125 dollars pour... Si 50 d'entre nous donnaient 100 livres, on atteindrait notre but. C'est peut-être trop, mais si vous pouvez faire moins, donnez moins. Si c'est que 15, donnez 15, mais si vous pouvez donner quelque chose, soutenir nos frères frères et sœurs en Inde. Et il y aura un lien dans le lien. Merci beaucoup, Nandavajra. Et j'aimerais vraiment vous encourager tous à soutenir le travail en Inde et ailleurs au travers Future Dharma Fund. On va terminer bientôt. Je veux juste remercier tout le monde pour leur contribution et vous remercier tous d'être venus. Donc, il est 17h25 ici en Royaume-Uni et on se réunirait dans 2 heures. On va aller rendre visite en Mexico. On va visiter le centre bouddhiste là-bas. On va regarder, faire un petit tour du centre bouddhiste de Mexique. Et on va faire une puja en anglais et en espagnol. Donc, vous êtes chaleureusement invités à venir à cela dans à peu près 2 heures. Et si vous avez du feedback pour la journée, la discussion qu'on vient d'avoir ou d'autres choses que vous avez vues pendant la journée, on aimerait vraiment avoir du feedback, votre retour et un lien maintenant dans le chat. Donc, quelque chose qui n'a pas bien marché pour vous, quelque chose que vous avez apprécié, merci de nous écrire. Donc, on n'est pas pressé pour aller ailleurs. Donc, si vous voulez vous unmute, vous activez vos micros et vous parlez entre vous, vous dire bonjour, vous pouvez. Voilà. Ah, c'est Arianita qui a dit merci.
Oui, merci.